Daroufit. Ouais, cool. Walaikum salam. Allô? Ça va quoi? Alhamdulillah, et toi bien? Pourquoi t'as enlevé ta tête de daron fut? Je sais pas, attends. Attends 2 secondes. Les gens veulent voir. Les gens veulent voir le crossfit. Attends 2 secondes. Non, mais t'es pas obligé de mettre ta tête, hein. Tu peux rester comme ça si tu Non, je sais, non, je la mets, c'est pas veux. Ça va quoi? Alhamdulillah, je suis fatigué. Tu ne travailles pas ce soir? Non, ce soir et demain soir, je travaille pas. C'est le Ah week-end. bah. Voilà, mais là, tu vas pas nous fausser compagnie aujourd'hui. Non, normalement, non. À moins que je commence à m'endormir. À mon avis, Ah ouais. il y a de fortes chances. Mais bon, non, je vais essayer de rester le plus longtemps possible. On va te donner la parole en premier, toi, alors. Il y aura le frère d'hier là? Ouais, Malik, il va arriver. Et normalement, il y aura le frère Ziyad aussi. Il est sympathique, lui. Qui? Le frère, la Malik. Allez, comment ça va? On attend qu'ils arrivent, comme ça qu'on va faire l'introduction, Inch'Allah. Vas-y, on va monter chercher un. les. Vas-y, je vais introduire, ils sont déjà là. Ils sont déjà là, ils sont en bas, ils vont monter. Bismillah, walhamdulillah, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala frères et sœurs, aujourd'hui, là, il y a un sujet multiple. J'ai mis sujet multiple parce que, Inch'Allah, on va essayer d'aborder plusieurs thématiques. Salam Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa alaykoum. barakatuh. Bonsoir. Salut, frère. Ça va quoi les frères, bien? Ouais, ça va, Inch'Allah. Donc, toutes les fois, Malik, il monte là. Ouais, il va pas tarder. Savoir un truc, c'est que Malik, il a un problème avec les horaires, tu vois. Ah ouais. Ouais. Malik, il est pas parfait alors. C'est rien, Qu'est-ce il est parti se brosser les cheveux et tout, il a fait la coupe carré marocain. se passe? Salam alaikum. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les frères? Ça va, Malik? Écoute, ça va. De gaffe, frère. Alhamdoulilah, toi et vous? Inch'Allah, barakallah fi. Daron Daronfit. Hein? Non, je parle Daronfit, Ibrahim. Oh là là, son réseau, il a le réseau de Grigny, là. Réel, Il est là-bas, là. Grigny, là. La Donc, grande voix. la grande. Non, lui, il a Il Grigny 2, lui, y a le réseau du RERD. RERD. Ils sont rangés. Donc, bismillah, alhamdoulilah, wa salatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, j'ai mis live à sujet multiple parce que je voulais aborder plusieurs thématiques. Comme je l'avais dit la fois dernière en story pour ceux qui l'avaient suivi, l'année dernière, avant le Ramadan, on a. Le musulman, il doit toujours se remettre en question. Moi, j'ai mis une remise en question et j'ai vu qu'on avait énormément centré nos lives sur déjà le relationnel homme-femme, etc. C'est une bonne chose, mais il n'y a pas que ça. Et également sur des sujets socio-culturels. Et on avait oublié la base des choses, c'est que tous les sujets qu'on aborde, en fin de compte, l'important, c'est pour que notre foi augmente. Donc c'est pour ça que je me suis dit que cette année-là, on allait changer les choses. Et dans les lives, on allait toujours mettre une petite partie où on allait parler des sujets fondamentaux de base afin que voilà, notre foi augmente et que voilà, qu'on essaie de se rappeler. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder plusieurs sujets. Alors, le premier sujet que j'aimerais aborder, c'est l'importance de faire des sacrifices
pour Allah Azzawajal, pour notre religion, pour les frères Fillah, pour notre famille, etc. Quelques minutes, afin que Inch'Allah on se rappelle et que notre foi, elle augmente. Après, le frère Ibrahim, hier, il est parti. Hier, on avait parlé de l'islam politique, sujet très intéressant. Le frère, il n'a pas pu revenir. Il avait encore des choses à dire sur le sujet. Donc, on va revenir dessus. Après, j'aimerais bien que Ziyed et Malik nous parlent un peu plus de leur projet, comment ils veulent essayer de faire bouger les choses, tout ça en France et tout. Et puis après, j'aimerais qu'on parle d'un phénomène qui, pour moi, je trouve qui est malheureux, c'est la féminisation des discours religieux, de manière générale, la féminisation de la société et la féminisation aussi également des hommes. Et donc voilà. Donc voilà les sujets. Puis si entre-temps, si on a d'autres, ils ont d'autres sujets, n'hésitez pas à me dire là, c'est un live assez politique, c'est un live ouvert. Donc on pourra aborder plein de thématiques. Donc le premier sujet par lequel j'aimerais introduire, c'est l'importance de se sacrifier. Alors, qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour évoquer ce sujet? Et la dernière fois, j'en avais parlé en story, c'est que malheureusement, j'ai vu que dans notre communauté aujourd'hui, on n'est plus prêt à se faire du mal à nous-mêmes dans le but de faire plaisir à Allah Azzawajal et dans le but, on va dire, d'améliorer notre société au quotidien. Allah Azzawajal, dans son livre saint, nous dit: Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lama as-sabirin. Allah Azzawajal nous dit: Est-ce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis sans qu'Allah Azzawajal sache qui sont ceux parmi vous qui ont combattu, hein, et qui sont ceux parmi vous également qui ont fait preuve de patience. Et il nous dit également Allah Azzawajal: Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul. Nous également, est-ce que vous avez pensé que vous allez rentrer au paradis sans que l'exemple de ceux qui vous ont précédé vous soit cité? Ils ont certes été touchés par des nuisances, par des problèmes, etc. Donc, on voit que la tradition d'Allah Azzawajal sur ses serviteurs, c'est qu'il les éprouve. Et Dans quelle sourate le premier verset déjà? Sourate An-Nisa et Sourate Al-Baqarah, si je m'en rappelle bien. Et donc, la tradition d'Allah Azzawajal envers ses serviteurs, c'est qu'il les éprouve. Comment? Je Le premier verset que tu as cité, c'est pas dans. crois que c'est Sourate An-Nisa. Sourate An-Nisa, oui, je crois. Ou Sourate An-Nisa ou Al-Imran, j'ai oublié. Et l'autre, Sourate Al-Baqarah. Oh bon. Donc, on voit que la tradition d'Allah Azzawajal envers ses serviteurs, c'est qu'il leur donne des épreuves afin de savoir c'est qui les patients, c'est qui ceux qui vont faire preuve d'abnégation et c'est qui ceux qui ne vont pas faire preuve d'abnégation. Les Sahaba, radiallahu anhum, c'était des gens qui se sont sacrifiés leurs biens, leurs personnes, justement pour que nous, aujourd'hui, on puisse, cette religion puisse nous être, nous soit arrivée. Et moi, j'aimerais donner un exemple, après je vais donner la parole au frère, un exemple qui m'a vraiment marqué, mon compagnon, qui lui, il s'est sacrifié pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est ce compagnon, subhanallah, on connaît ni son nom, ni son âge, ni qui il est, subhanallah. Parce que son temps dans l'islam, il a été très très court. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans une bataille.
Et il y a un homme qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était mouchrikine à ce moment-là. Et il dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Hel uslim, hel uqatil, wa uslim, a uslim, wa uqatil. Donc il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait se convertir à l'islam. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je dois combattre, puis je me convertis à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en bataille. Il a dit, est-ce que je dois combattre, puis après je me convertis à l'islam, ou je dois me convertir à l'islam et après je combat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bel aslim wa qatil. Il a dit, combat. Il a dit, convertis-toi, rentre dans l'islam et après tu vas combattre. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas musulman, ses œuvres ne sont pas acceptées. Donc l'homme, il s'est converti à l'islam et il est parti, il a combattu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu, il est rentré dans la foule, il a combattu, il a été tué directement. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une phrase, il a dit Amila qalilan wa ujira kafiran. Il a dit, il a fait peu d'œuvres. Et ça, moi, ils disent que cet homme, il s'est même pas prosterné pour Allah une seule fois. Amila qalilan, il a fait peu d'œuvres. Après, il a dit Oujira kafiran, mais il a été grandement récompensé. Et le plus grand sacrifice qu'un croyant il peut faire par Allah Azzawajal, c'est donner sa vie. C'est le plus grand sacrifice que l'on peut faire par Allah Azzawajal, c'est que Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit dans son livre saint, voilà, tahsabanna alladhina utilu fi sabilillahi amwata, bel ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah, ils sont morts. Ben, ils sont bien au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur et ils sont pourvus en subsistance. Donc, une fois sûr, ça, c'est, je trouve, un très très bel exemple pour chacun d'entre nous de donner tout ce que l'on a au quotidien pour être productif. Déjà, c'est pour, on le fait pour Allah, bien sûr, et aussi on le fait pour nous-mêmes parce que voilà, Allah a nous dit dans son livre saint, Waltangur nafsun ma qaddamat li ghad. Que chacun d'entre nous, il regarde qu'est-ce qu'il a avancé pour demain. Donc, tout ce que l'on va faire, mes frères et sœurs, tous les sacrifices que l'on fera, on va les retrouver au jour du jugement dernier. Voilà, mes frères et sœurs, si quelqu'un d'autre, je vais dire par là. Moi, je voudrais juste dire que c'est dans Sourate Al-Ankabout, hein, c'est pas Nissan. Non, j'ai pas dit ça, moi. Ah, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. J'allais citer celui-là justement quand Mohamed a dit si quelqu'un a rajouté, j'allais dire. Ah, je crois Et que c'est ça aussi, qu'il allait dire. C'est quoi? non, 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 non. Mais il y a celui-là. Mais c'est ça qu'il a dit. Non, non. Non. Ben, vous avez mal Non. entendu. C'est ça qu'il a dit. Non. J'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa Ah, ya'lamu as-sabirin. d'accord, ok, ouais, effectivement. Jazakallah khayra. Ben c'est ça. التنفس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو التنفس. Donc pour les francophones, et en cela que se concurrencent ceux qui aiment la concurrence. Donc fil kitab, fil qira'a. Barakallah fik, Ibrahim. Bah, t'as fait de l'eau, moi je vais pas prendre la parole pour l'instant. Vas-y, Vas-y, bismillah. je vais commencer. Là. Déjà, sur ma com, j'espère que vous allez bien, les frérots, les gens du chat aussi qui nous regardent et tout. Donc, bismillah. Par rapport à cette notion du sacrifice, pour moi, c'est une valeur sine qua non que le musulman il doit avoir dans, on va dire, dans son package, tu vois. Elle est pas, parce que quand on entend sacrifice, je pense qu'il est important de préciser que il y a des gens, quand ils entendent le mot sacrifice, directement ils pensent à perdre sa vie. Non, c'est pas perdre sa vie, tu vois. Pas perdre sa vie, c'est comment dire, c'est plutôt découper sa vie, découper, on va dire, prendre sa vie comme ça, faire la tactique du salami, c'est-à-dire la couper en plusieurs parties comme ça,
comment dire, et je vais pas dire l'offrir, parce que après ça on rentre dans la notion du ce truc satanique et tout. Mais en gros, par exemple, Non, mais dans c'est ce salami-là, c'est une voilà, offrande pour Abba. C'est une offrande pour Abba. Si, t'as raison. merci pour la nuance. Et comment dire, donc dans ce salami-là, c'est-à-dire les différentes tranches qui ont été coupées, il y a les enfants, il y a les parents, il y a les projets professionnels, il y a les amis, il y a les ibadettes, les adorations, il y a, comment dire, il y a ton éducation, tu vois, ton instruction, toutes ces choses-là en fait. Et quand on, si on veut, on va dire, synthétiser ou trouver un mot pour ça, c'est sacrifier de son temps. Plus important, c'est le temps qu'on sacrifie pour une chose. Je vais donner un exemple, le mien, parce que moi, encore une fois, toi, tu sais, Mohamed Lamine, je parle pas des autres, moi, je parle de moi. Par exemple, moi, mes enfants, je les ai une semaine sur deux, tu vois, et je tiens à ne pas être un salarié pour pas perdre une seule seconde avec eux, tu vois, pour être présent dans leur éducation, dans l'instruction, dans l'explication de cette vie d'ici-bas, tu vois, dans l'instruction et l'éducation du dîn, bref, de les accompagner à ce qu'à un moment donné, ils soient autonomes et indépendants, tout ce qu'on veut, j'aurais fait mon taf et je pourrais vaquer à d'autres occupations. Bon, là, j'ai lancé un truc où je vais être indépendant, j'en parlerai après, Inch'Allah. Le frère Malik, on en parlera tous les deux d'ailleurs. Mais voilà, on va dire ces 3 dernières années de 2019 à là maintenant 2022 où je lance un projet qui n'était même pas dans ma tête il y a 3 ans. Hein. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais c'était pas, je pensais pas que j'allais le faire là maintenant. Je me suis dit, allez, ça va être dans 10 piges, 15 piges, 20 piges. Et là, c'est fait, mais je le fais, mais ça ne m'empêchera. Par exemple, des fois, je vais donner un exemple. Des fois, dans ce projet-là, je sais pas, je donne un exemple puisque ça va être un média. Quand je serai, je sais pas moi, en train de faire quelque chose dans les locaux de mon média, une émission quoi, peut-être qu'il y aura mes enfants qui seront à côté, il y aura ma femme, je sais pas, tu vois. Donc ça veut dire que moi, la notion du sacrifice, je la donne à ma famille. Tu vois? Bon, ce soir, moi, je parlerai du sacrifice par rapport à la famille. Tu vois? C'est-à-dire son épouse, ses enfants, en l'occurrence, moi, les enfants aussi de mon épouse, tu vois, dont je suis officieusement le père, puisque tu vois, ils n'ont plus de père depuis 2018, les Alhamou. Donc, on va dire ça comme ça. Et quoi de meilleur que de sacrifier de son temps et de sa personne et de ses biens pour sa famille, puisque déjà même la première aumône, elle est envers sa famille. Déjà. La première aumône, la meilleure des aumônes, elle est envers les gens de sa famille, c'est-à-dire ses enfants, sa femme, ses parents, toutes ces choses-là. Donc moi, ce soir, si on va dire mon argumentaire sur cette notion de sacrifice, pour moi, c'est la famille. Voilà. C'est la famille et tout ce qui se trouve dans ton foyer ou dans les différents foyers de tes cousins, etc., etc. Même s'ils ne sont pas une priorité. Mais la priorité, c'est ton foyer. Puis après, enfin, ton foyer, tes parents. Puis ensuite, le reste s'en découle. Après, voilà, en découle aussi d'autres choses. Encore une fois, comme j'ai dit, le professionnel, le sportif. Voilà, parce que moi, pour moi, un musulman doit être sportif. Je suis désolé. On peut dire ce qu'on veut. Pour moi, un musulman, il doit avoir un minimum d'activité sportive. Pour arrêter avec les gros bides, c'est bon, ça commence à me galer. Donc, même si j'ai, attention, c'est pas une critique, c'est, je pique un peu. Mais c'est pas une critique, quoi que ce soit. Mais je pique pour, voilà. Donc voilà. Moi, mon argumentaire, il est sur la famille. Et puis voilà. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit suffit à l'homme comme péché de délaisser ceux qui lui reviennent de droit. Que c'est se sacrifier pour sa famille, c'est important. Il y a beaucoup d'hommes qui ne le font plus. Hein. Moi, je reçois beaucoup des sœurs qui m'envoient, elles m'expliquent leurs histoires et tout.
Tu vois, beaucoup d'hommes, ils ne dépensent pas pour leur famille, ou ils dépensent pas à juste valeur alors qu'ils ont la capacité, ils ne passent pas de temps avec leur famille. Et malheureusement, aujourd'hui, la société, elle fait que tu as beaucoup de parents en France. Parfois, quand tu les vois vivre, malheureusement, ils ne passent pas de temps avec leurs enfants. Et le matin, l'enfant, il va à l'école, ils vont au travail. L'enfant, il a fini l'école, il va au sport, il va à l'étude, l'étude, le sport, et après la télé, et après 20-30 minutes avant de dodo, ah, ça va, ça a été ta journée, elle va dodo. On a plus cette notion Moi, de garder ses enfants avec soi. Même, voilà, on ne veut pas que nos enfants nous dérangent, donc on les met devant la télé, on les met là-bas, on les met au sport. En fait. Mais là, tu vois pas ton enfant. alors, moi je vais te donner un moi par rapport à mes enfants. Si un jour on a l'occasion de se rencontrer, Inch'Allah, ils sont présents, moi tu verras. C'est quand je marche avec eux, c'est main dans la main. Dehors, même s'ils sont assez grands pour marcher tout seul, quoi que ce soit, tu vois. Moi, frère, c'est super important pour moi de donner, tu vois, de donner son temps à ses enfants. Là, ce que tu me dis là, ça fait un peu mal d'entendre que, tu vois, y a des frères, tu vois, ils remplissent pas ce rôle. Mais en fait, malheureusement, la mentalité qu'on a aujourd'hui, encore une fois en France, c'est la mentalité africaine. C'est-à-dire, l'homme doit remplir le frigo, ça s'arrête à là. Mais comment ça s'arrête à là? Mais d'où ça s'arrête à là? Tu remplis le frigo, après ça y est, tu poses les doigts de pied en éventail sur la table et tu bouges plus. Non, 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 non. Non, non, non. Le père, Je ne sais même pas si c'est c'est une le mentalité toit. africaine. Hein. Parce que Hein? non, je ne sais même pas si c'est une mentalité africaine. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. Parce que Non, mais non, mais je te. France-africaine. C'est une Hein? modalité France-africaine. Ah. Ouais, peut-être. Parce que moi, ici, je vois au Maroc, Machallah, je relevais que les papas, ils sortent beaucoup avec leurs enfants, ils sortent beaucoup en famille, etc. Tu vois. Moi je parle ici en France, hein. C'est ça, Moi c'est je parle clair. ici en France. Tu vois, au bled, je sais pas comment ça se passe. Moi je sais aussi que moi mes cousines au bled, mes tantes et tout, elles sont beaucoup avec leurs filles, elles sont beaucoup. Tu vois, les papas, ils sont beaucoup avec les garçons, ça je le sais, ça, tu vois, avec les oncles et tout, bien sûr. Moi je parle ici, je parle les Africains d'ici, tu vois, de France. Et quand je dis Africain, j'englobe le Maghreb, hein. Moi, vous connaissez ma Bien mentalité, le sûr. Maghreb c'est l'Afrique, tu Bien vois. sûr. Donc voilà. Moi, je vais te donner un exemple, par exemple, je vais pas dire, bon, c'est pas un sacrifice, mais c'est un petit truc qui, plus tard, subhanallah, fera la différence avec vos enfants, qui va déterminer si vos enfants, plus tard, quand vous serez à l'article de la mort, ou peut-être seront déambulateurs, ou tu seras cuit, tu vois, quand tu seras un légume, ça y est, on va voir si tes enfants seront là pour toi ou pas. Par exemple, moi, des fois, je sors mon ordinateur, je regarde, je sais pas, moi, mes mangas, je regarde une vidéo, j'en sais rien. Ben, quand mes enfants viennent me parler, c'est pas, attends, je finis. Non, j'enlève mon casque, je t'écoute. Si je peux te répondre, je te réponds. Si je dois te jeter, si tu m'as fait perdre mon temps, ben, j'enlèverai mon casque pour te dire, dégage. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas, je vais pas le calculer. Parce que quand tu calcules pas tes enfants, encore une fois, c'est, comment dire, ça aussi, ça fait partie du sacrifice. T'es là, t'es en train de regarder un truc que toi t'aimes, ton enfant il vient et t'interrompt, bah, tu vas interrompre pour lui. C'est le Regarde, sacrifice, c'est des tout petits trucs ça, regarde Ziad, mais comme qui c'est font la important. différence. Regarde comme c'est important ce que tu viens de dire, puisque Allah Azzawajal dit wa amma as-sa'ila fala tanhar dans sourate Al-Duha. Ça veut dire quant au questionneur, quant à celui qui vient te demander quelque chose, ne le rejette pas. Alors, tes enfants, Oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que moi j'ai mon fils, tu vois, il est très papa, quoi? Non, rien. Tu vois, bon, c'est les chiens ne font pas des chats, tu vois, mais bon, voilà. Mais quand même, je l'écoute me dire son rien et je lui fous un coup au derche et l'histoire elle est réglée, t'as capté? Mais c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il cherche, donc je lui donne, tu vois. Ça veut dire sacrifice, tu sacrifies 2, 3 secondes, tu vois, il te fait perdre ton temps, mais pour lui, il gagne du temps, Vrai. tu vois, c'est ça le truc. Toi, Mais tu perds, mais lui, il gagne, tu vois. ça fait partie des. Donc voilà. Subhanallah, ben, ça fait partie des. Ben, un conseil, je vous donnais, j'avais fait une vidéo dessus. Mais c'est aussi pour les enfants, c'est important. Après, on va donner la parole aux deux frères, comme ça on va changer de sujet. C'est Voilà. que tu as des sociologues qui expliquent, des sociologues et psychologues plutôt du relationnel, ce soit relationnel homme-femme ou. Père-fils, père-fille, mère-fille, mère-fils, c'est que chaque enfant, il est différent. Chaque enfant, il a
un langage de l'amour qui me propre, parce qu'on sait tous que le père à enfant, mère à enfant, il y a, y a un lien d'amour, et l'enfant, il a un langage de l'amour qui lui est propre. Et chaque enfant, il va être différent. Donc, avec chaque enfant, pour remplir son réservoir affectif, il va falloir lui communiquer avec ce qu'il aime le plus. Tu peux avoir un enfant qui aime que tu passes du temps de qualité avec lui. Ça veut dire que lui, avec cet enfant, tu devras prendre le temps de passer du temps de qualité avec lui. Tu peux avoir un autre enfant, lui qui va préférer peut-être les cadeaux. Donc, cet autre enfant qui va préférer les cadeaux, si tu essaies de remplir son réservoir affectif avec du temps de qualité, il va pas forcément apprécier. Parce que lui, c'est pas son langage de l'amour auquel il est, qu'il préfère, mais il préfère les cadeaux. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître ses enfants afin de savoir comment se comporter avec eux. J'ai fait une vidéo par rapport au couple là-dessus, mais il explique également qu'avec les enfants, c'est à peu près le même procédé. Que Bismillah Malik par rapport au sujet. Donc, bismillah, alors déjà, pour rebondir sur ce que vous disiez hein, concernant la famille, donc, ô vous qui avez cru, ô vous qui avez la foi, préservez vos propres personnes ainsi que vos familles d'un feu dont dont le combustible est composé des hommes et des pierres. Ce verset est très, très percutant. Et ce que le Nabi dit également, le meilleur d'entre vous est celui qui sera le meilleur pour sa famille. Et je suis le meilleur pour ma famille. Le meilleur d'entre vous vis-à-vis de sa famille. Donc clairement, le sacrifice en question, il y a un petit retour de son, je ne sais pas si c'est... J'entends rien. Ah bah c'est bon alors, alhamdoulilah. Le sacrifice justement, là où il n'est pas à faire qu'envers soi-même. C'est ce qu'a dit le frère Aziyad tout à l'heure, et comme ce que tu disais Mohamed, à savoir... on entend toujours qu'il faut faire attention et que c'est en dernier recours qu'on donne sa vie. Et oui, la tuqaddimu ash-shahadata 'ala an-nasr. Le Nabi alayhi salatu wasalam disait imma an-nasr wa imma ash-shahada. C'est soit la victoire, soit le martyr. Donc, et on ne fait pas passer le martyr avant la victoire, même si le martyr en soi est une victoire pour le croyant, comme tu as dit. ولا تحسبن الذين قتلوا في comme tu as rappelé ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم بل أحياء ولكن لا تشعرون. Donc subhanallah, ou à moins que j'ai inversé la fin des deux ayats. J'ai inversé, alhamdulillah, jazakumullah khayra. Donc subhanallah, c'est toujours en dernier. De toute façon, par définition, le sacrifice, il y a cette notion de sacré, de sacralité, et c'est à la fin qu'on s'y adonne. Donc, ce qu'Allah Azza wa Jal dit également dans Sourate At-Tawbah, Ya ayyuhallazina amanu, ma lakum, idha qila lakum, infiru. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن لم تنفروا يعذبكم عذابا عذاب أليم. عذاب أليم, je crois ici. Alors on reprend l'aïe. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اثَّاقَلْتُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. المهم,
Donc, moi, j'ai des versets à citer, j'ai pris le Coran, moi. J'ai pas oublié, moi. Non, mais parce que les gars, si c'est un concours de récitation, moi je vous laisse. Hein. Non, parce que cette ayah, elle est essentielle. Et pour le sujet, subhanallah, d'habitude, ça vient tout seul. Bon, alhamdoulilah. Il l'a tenfiru, yu'adhibkum adaban alima, wa yubaddilkum qawman ghayrakum, wa yubaddil qawman ghayrakum, wa la tadurruhu shay'a. Wa la tadurruhu shay'a, wallahu ala kulli shay'in qadir. Voilà. Donc, en français, ô vous qui avez cru, donc c'est dans Sourate At-Tawbah, ô vous qui avez cru, qu'avez-vous lorsqu'il vous est dit, sortez sur le sentier d'Allah, élancez-vous, infiru, élancez-vous sur les sentiers d'Allah, vous vous alourdissez sur terre. Barakallahu fik, adaban alima. Voilà. La, na'am. ويبدل قوما غيركم دونك أليما جزاكم الله خيرا qu'avez-vous lorsqu'il vous est dit élancez-vous sur le sentier d'Allah à vous alourdir sur terre donc c'est-à-dire vous restez sur place et vous ne bougez pas et vous faites partie des qa'idun de ceux qui restent sur place avez-vous agréé la vie d'ici-bas vis-à-vis de celle de l'au-delà avez-vous préféré la vie d'ici-bas sur celle de l'au-delà. Alors que les bienfaits, le plaisir, le profit de la vie d'ici-bas vis-à-vis de celle de l'au-delà n'est que peu de choses. Illa qalil. Et si vous ne vous élancez pas, donc il y a une menace d'Allah Azza wa Jal, si vous ne vous élancez pas, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un peuple différent. Donc, qawman ghayrakum, wa la tadurruhu shay'a, et vous ne lui causerez aucun mal à Allah. Et Allah est omnipotent. Et Allah est capable de tout. Donc, nafar fi sabilillah, il est nécessaire. Et si on ne le fait pas, Allah nous châtie. Maintenant, cet élancement sur le sentier d'Allah, il se fait par plusieurs moyens, même si ici, principalement, c'est le combat armé, celui de la nécessité quand le contexte se présente. Mais le combat, ce n'est pas que par les armes. C'est ce qu'Allah dit également, « وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةً » Donc si les croyants ne sont pas à même de tous s'élancer, il suffit que de chaque groupe il y ait un contingent qui étudie la science et lorsqu'ils reviennent à leur peuple, afin qu'ils éduquent leur peuple lorsqu'ils reviennent vers eux. Donc l'ilm fait partie du fait de s'élancer. La science, la quête de connaissances, talabul ilm, et ensuite da'watu ilallah, et donc le fait d'avertir les siens, fait partie du sacrifice, justement. Donc, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla nous dit que si on ne se sacrifie pas pour sa cause, il nous châtiera et qu'il nous remplacera par d'autres qui, eux, accompliront ce qu'on ne fait pas. Donc, clairement, le sacrifice, il revêt plusieurs aspects et il se fait de plusieurs manières. Et bien sûr, toujours, on se préserve jusqu'au moment où on ne peut plus se préserver. Et à ce moment-là, on se donne entièrement pour Allah, Azza wa Jal. Juste un truc, je viens de recevoir un message. Il y a le frère Mourad al-Hattab qui vous passe un grand salam. Masha'Allah. Alaykoum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Je prends la parole. Bon. Bismillah. Salut Rico. La notion de sacrifice. Bon, déjà, je vais passer par plusieurs choses avant d'arriver à ce sujet-là. Comment dire? Le corps humain, comme Allah il nous a créé, le corps est composé de plusieurs choses. Il y a le corps, il y a ce qu'on appelle le nafs, il y a ce qu'on appelle le ruh. Et il y a à l'extérieur du corps, shaitan ou al-qarin,
On va dire ça comme ça. Donc, notre corps nous appelle à tout ce qui est relatif à nos besoins primaires. Ça, vous le savez. Besoin de boire, besoin de manger, besoin d'avoir des rapports. Ça, c'est tout le côté bestial de l'être humain. Et il est appelé par ça, par le neuf. C'est le neuf, en fait, qui aime bien ces choses-là. Aimer manger, aimer dormir, aimer les femmes. Ça, c'est tout ce que le neuf, il aime. Ensuite, on a ce qu'on appelle, on va dire, entre guillemets, « al-ruh », « al-taqwa ». C'est tout ce qui... Dis-moi. Je relisais la ayah dans ma tête. C'est pas wa yubeddil. Wa yastabdil qawman ghayrakum. Voilà. Continuons. Non, tu fais bien de faire ça. Il y a tout ce qui. Alors, donc, il y a, on va dire, tout ce qui est relatif à la taqwa. D'accord? Donc, en fait, l'être humain, il est entre deux balances. Il est entre la taqwa et son nafs. Donc, s'il nourrit son âme du zikr d'Allah, c'est il va être régi et dirigé par cette taqwa. D'accord? Tout ce qu'il va faire va être en fonction de la taqwa. Et si cette personne-là ne nourrit pas son âme par le zikr d'Allah et qu'en plus de ça, il s'adonne à la ma'asiya, c'est son nafs qui va prendre le dessus. Et il va être dirigé par son nafs. D'accord? Donc, à partir de là, lorsque l'on sait que le nafs aime tout ce qui est manger, s'amuser, dormir, boire, relations sexuelles et tout ça, nous, on se doit de se rapprocher d'Allah. D'accord? On se doit de se rapprocher d'Allah à travers les œuvres pieuses, que ce soit la prière, la lecture du Coran et tout ça. Et déjà, cette première étape, on va dire, est une sorte de sacrifice dans la mesure où on est en train de s'abstenir de certaines jouissances pour pouvoir nourrir notre âme. D'accord? Ça, c'est une notion de sacrifice. Il y a autre chose que je voulais dire, et Abdelmalek, il a commencé à... Oui, tu en as parlé. Je vais rebondir sur ce que tu as dit d'une autre façon. En fait, tous les versets, parce que moi, je me suis fait une réflexion. Je lis le Coran et tous les versets concernant al-qital, al-jihad, on le prend toujours dans son sens apparent, puisque quand tu regardes le contexte, c'est vraiment ça, tu vois. Mais je me dis que je ne vais pas le prendre dans ce contexte-là, vu que si je le prends dans ce contexte, je ne vais pas me sentir concerné par le verset, puisque je ne suis pas dans ce contexte-là. Par contre, je vais le prendre, par exemple, quand Allah va parler du djihad, moi, je vais le prendre comme un effort. Parce qu'un djihad, parmi les marnas de djihad, il y a l'effort. Donc, quand tu prends les versets avec la notion du djihad comme effort, là, tu vas vraiment, vraiment te sentir concerné par le verset. Et tu vas vraiment faire une rétrospection et tu vas vraiment réfléchir à ta situation. Et tu vas te dire, est-ce que je suis du côté des mu'minoun ou est-ce que je suis du côté des munafiqoun? À chaque fois qu'il y a des versets concernant al-jihad ou tous les trucs, tous les versets, le verset que tu as dit là, dans le sentier d'Allah et tout ça, si tu le prends dans le sens de l'effort, parce que le sentier d'Allah, c'est pas que seulement faire qital. Aller, par exemple, voyager en Afrique pour aller nourrir des pauvres et tout ça, ça c'est un sacrifice quand même. Tu vas quand même délaisser ta famille, parce que je vais en venir aussi à ce que vous avez dit par rapport aux femmes et aux enfants, je suis pas entièrement d'accord, tu vois. Parce qu'une personne qui va sacrifier sa femme et ses enfants, quand je dis sa femme et ses enfants, c'est dans le sens où il va pas les voir, mais pour une maslaha amma, pour la maslaha de la communauté, on va pas dire de cette personne-là que c'est quelqu'un qui néglige sa femme et ses enfants, on est bien d'accord. Puisque lui, il le fait dans un but qui est de réformer et pour la communauté, tu vois. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc par rapport aux notions de sacrifice, donc tous les versets concernant
al-jihad, al-qital, fi sabilillah et tout ça, il faut le prendre dans le sens de l'effort. D'ailleurs, là, il y a un verset que je voulais vous lire. Attends, il est où le verset? C'est dans At-Tawbah. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله دي في سبيله و je même pas besoin de regarder c'est Ouais, attends. Non, fils Abilihi, ouais, Nam. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous avez gagnés, les négoces dont vous craignez le déclin et les demeures qui sont agréables vous sont plus chers qu'Allah et son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, ça fait beaucoup de sacrifices, hein? Ibrahim, ouais. Wallah, ce verset-là, là, je t'as dit l'avais quoi? sous les yeux. Ce verset-là, je l'avais sous les yeux, je me disais, faut que je le. Je le Je me dis, place. faut que je le dise. Subhanallah. Je l'avais sous les yeux, je me disais, faut que je le dise. Ah, ouais. Non, mais t'as vu, c'est fort. Donc, toi, quand tu vas faire quand tu vas faire un effort. Et ça, tu vois le degré des sahabas. Hein. Tu vois le degré des Voilà, sahabas. tu vois. Sahaba, c'est Tu vois pas, le tu degré des vois. sahabas. Sahaba, ils ont sacrifié Mais... pour de vrai. Et Allah, il Amen. parle des Sahaba en disant que c'est des Sadiqoun, des Salihoun, Ari, des Allah, il a dit Sadiqoun. Rijel. Il a Hein? dit Rijel. Il a dit Rijel. 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 Tu vois ce que je veux dire? Mais Rijel, des hommes. quand tu vas regarder côté Munafiqoun, et ben quand tu lis les versets, en fait, tu as peur. Moi, je parle pour moi. Hein. Moi, j'ai peur parce que quand je regarde les Sahaba, quand je regarde Munafiqoun, moi, le curseur, pour ma part, il est plus proche des Munafiqoun que des Sahaba. Hein. Moi, Alhamdulillah. je vois pas du tout les sacrifices que je fais, moi. Je pars pas. Alhamdulillah. Ah ouais, Hada alhamdulillah. hada min bab at-tawadhu puisque le Nabi alayhi salatu wassalam, les sahaba radhiyallahu anhum, ils sont venus à lui en disant nafaqa handala. Je crains d'être hypocrite. Et le Nabi alayhi Ah, salatu d'accord, dans ce wassalam. sens-là, d'accord. Ah, bon, Sa'atan wa sa'a. Ah oui, dans ce sens-là. ok. Oui. Ouais. Les savants ils Ah. disent ma amina nifaq illa munafiq. Ouais, voilà. Ouais, bon, bah, écoute. T'es sûr de pas être munafiq que si Bah, tu l'es. Hein. j'espère, hein, parce que vraiment, c'est pas pour faire style ou quoi. C'est vraiment, je Non suis mais vraiment en vue justement. d'Allah. Il n'y a que Allah qui sait, mais vraiment, Non je. mais justement Ibrahim, c'est-à-dire alors là, ce qu'ils ont dit, c'est ça, c'est que t'es sûr de pas être hypocrite que si tu l'es en fait. T'es sûr de pas être. Hypocrite que si tu es hypocrite, parce que celui qui n'est pas hypocrite. Il a crainte de Ah, l'hypocrisie. d'accord, ok, ouais, bah d'accord, ouais, j'ai bien compris alors. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, et donc, voilà quoi. Donc, notre vie doit être des sacrifices si on a des choix à faire et que c'est un choix qui va nous satisfaire notre nœud, c'est qu'on a un truc qui tend vers la religion et tout ça, et ben on se doit de toujours choisir ce qui tend vers la religion. Et dans la vie de tous les jours, hein, dans la vie de tous les jours. Et des fois, Starfur, on fait les mauvais choix, tu vois. Des fois, on fait des mauvais choix. Et notre sacrifice, il doit être bah, quotidien, tu vois, à notre échelle. Voilà, quotidien, à notre échelle, de jour en jour, on essaye de se sacrifier petit à petit. Mais par contre, pour la notion de sacrifice pour la femme et les enfants, la famille, être avec eux et tout ça, moi, j'aimerais bien revenir sur ce sujet-là parce qu'il y a des trucs que vous avez dit, soit. Vous avez un peu tout mélangé, ou soit j'ai pas bien compris, ou enfin j'aimerais bien qu'on revienne dessus si vous voulez. Allah, il dit dans le Coran, il dit quoi? Attends, il est où le verset? C'est le Munafiqoun, justement, le verset. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa awladukum an dhikrillah. Un autre verset. Innamal amwal non ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa awladukum aduwwan lakum fahdharhum d'accord innamal amwalukum wa awladukum fitna wallahu 'indahu ajrun 'azim
Toi, tu veux énerver les familles aujourd'hui, ça. Non, je ne veux pas énerver les familles. Moi, je veux juste qu'on revienne dessus et qu'on essaye de bien replacer les choses. Non, mais Oui, t'as raison, on doit passer, oui, on doit passer du temps avec notre famille. Oui, on doit leur donner leur hukouk. Oui, on doit être miséricordieux avec eux. Oui, on doit leur donner de l'amour. Il n'y a pas de problème pour ça. Il faut mettre les choses à sa place. Quand on peut, quand on a le temps, on se doit de leur donner leur temps. Maintenant, quand il y a des obligations, même pas des obligations, quand quelqu'un. Et tu parlais hier de, comment il s'appelle, de Malcolm X. Est-ce que tu penses qu'avec la fonction qu'il avait, il avait vraiment le temps pour sa famille et ses enfants? Moi, je ne sais pas, je te pose la question, hein. À mon Moi, je avis, pense que Kémi c'est Séba, là, normal. qui fait des voyages en Russie, au Venezuela, il va Bah partout en Afrique et tout, tu penses qu'il a du temps pour ça? Il va attends. passer du temps pour sa famille, mais il va pas le passer un truc de ouf. Lui, il est dans un degré où il pense à la Ça, c'est. mafia, Ça, mais sous, de la on dit pas ça à communauté. cause de ça. Et quand tu es dans ce. Attends 2 secondes, quand tu es dans ce genre quand tu es dans ce genre d'action, mais là, tes enfants et ta femme, c'est malheureux, mais il y a des. Tu vas être obligé un peu de les mettre de côté. Hein. Pas de mettre de côté, mais tu ne vas pas leur accorder le temps qu'il leur faut parce que toi, tu as une mission qui est encore plus grande que celle-là. Et plus particulièrement pour Abdelmalik, qui est le frère là, qui est parti d'ailleurs, là, comment il s'appelle? Zied? Si vous êtes dans une dynamique où vous voulez commencer à mettre un caillou dans l'engrenage française, la femme et les enfants, vous êtes bien d'accord avec moi, vous n'allez pas passer du temps énormément avec eux, hein, non? Enfin, je sais C'est pas, vrai. après on en discute les mecs, hein. Moi, vous Faut dites quoi, des gens, faut une femme qui soit prête alors. hein? Ouais, Voilà. voilà. Qui soit au combat elle aussi, c'est ça. Voilà. En fait, Si c'est ça fait ça. penser à l'histoire de qui? Si t'es Ça fait une penser à femme, elle n'est l'histoire pas prête, t'as bien te casser de les pieds, il faudra faire un choix. Ça me fait penser à l'histoire de Julaibib. Hein. Julaibib, c'est Allah. Il avait, pour se marier, il n'avait pas d'argent. Les Ouais. Sahaba, ils ont réuni de l'argent, etc. Ça faisait longtemps qu'il voulait se marier. Personne n'a voulu lui donner une femme. Ouais. Ce moment-là, il trouve une femme. Il Hmm. trouve l'argent pour se marier. Hein. Au moment où il doit, Sahaba, ils ont cotisé pour lui, c'est ça? ils ont compris pour lui, ouais. Ouais. Au moment où il a l'argent pour se marier, il se marie avec sa nouvelle femme, etc. Il entend, je crois que c'est une four, le son pour l'appel pour le combat, tu vois. Oh. Il a entendu l'appel pour le combat, je crois qu'il n'avait même pas encore consommé le mariage avec son épouse. Ah, c'était Sahabila. Ouais, il n'avait pas consommé le mariage. Et donc, il est parti et tout ça. Sa femme lui a dit, mais on vient juste de se marier, etc. Tu Lui, vois? Harry, tu viens de te Ça, marier. T'as tu même pas consommé avec ton épouse. T'entends l'appel pour le combat. vois? C'est un Moi, truc de ouf, ça. je viens de me marier, etc. Et laisse-moi faire Non, de. au moins tu dis, vas-y, laisse-moi au Tu moins 5 minutes, je fais ce que j'ai à faire, après je vais au combat. Parce que je sais Je qu'il y a un Sahabi, il venait de se marier, mais lui, il avait consommé. Après, il est parti au Qital. Après, il est mort et les anges l'ont lavé. Ils lui ont fait Ouais, l'onction. Il y avait un Sahabi comme ça. Mais j'avais entendu là, dire qu'un autre Sahabi, il n'a pas eu le temps de consommer. Il est parti direct, mais je ne savais pas que ça c'était je un crois Abdel que ou pas. du lait bib, il est parti, etc., tu vois. Et je crois bien, oui, il est mort, tu vois, dans cette bataille. Ça, Ah, c'était bon. Ah, ça c'est sacrifice de ouf, ça. le seul moment que Regarde. j'ai été sacrifié. Regarde le sacrifice de. Ah, vas-y, Zied, vas-y. Vas-y. J'allais parler, subhanallah, et ça, Mais c'est attendez, vrai. moi je voulais qu'on parle de ça. Ah, vous êtes d'accord avec moi alors? Il y a un truc Justement, pour discuter. moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord. Justement, Ouais. j'allais te dire, les hijra, par exemple, tu écoutes les hijra, on parlait hier de les hijra. Ouais. Qu'est-ce que c'est que les hijra? Les hijra, si on va jusqu'au bout, c'est pour ne plus jamais revenir. Exactement. Les Ouais. hijra, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al muslimu man salima an-nas min lisanihi wa yadihi. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. Ça veut dire que le muhajir, c'est clairement celui qui s'écarte de ce qu'Allah a interdit. Ici, il n'y a que des interdits. Déjà à l'époque du prophète, alayhissalatu wassalam. Et c'est là, oh là là, subhanallah, je ne peux pas ne pas voir yaqsha'irru
Djeldi, c'est impossible que je n'ai pas des frissons quand j'évoque l'histoire de Umayr ibn al-Humam. Umayr ibn al-Humam, c'était un sahabi, radiallahu anhu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, قال, Ya ma'shar al-mu'minin, قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال بخن بخن. قال ما قولك بخن بخن. قال لا والله ما قلتها إلا لله. فكان في يده تمرات فأكل منها ورمى الباقي من يده سبحان الله العظيم. قال إنها لحياة طويلة فرمى ما بقي منه وقام وقاتل حتى قتل. الله أكبر. En français, ce qui veut dire, subhanallah, Umayr ibn al-Hammam, c'était un compagnon qui était dans une bataille, qui a entendu le prophète والسلام, dire « Oh, assemblée de croyants, levez-vous vers un paradis dont l'étendue est celle des cieux et de la terre. » Et il dit « Étonnant, étonnant, bakhin, bakhin. » Bakhin, bakhin, ça veut dire, c'est un terme bil-arabiya qui est même plus du tout utilisé aujourd'hui, qui veut dire « Ajib, ajib ». Et donc le prophète والسلام, lui dit « Comment ça, c'est étonnant ?» Et il lui dit « Je n'ai dit ça que pour Allah, je n'ai dit ça que vis-à-vis de la grandeur de ce que tu annonces. » Et il avait des tamarates, il avait des dattes dans la main. Il en avait deux ou trois. Il en a mangé une, il a regardé le reste dans sa main. Et il a dit « Si je finis ce qu'il y a dans ma main, cette vie sera beaucoup trop longue. » Et il a jeté ses tamarates par terre, il s'est levé, il a combattu jusqu'à tomber martyr. Allah, ah, tu vois. Subhanallah al-Azim. Là, on parlait du mariage. Hein. Et lui, des tamarates, il les a pas terminés, frère. Pur. Continue. Bah, juste pour revenir sur... Moi, je pense qu'il y a une chose qui... Parce que, attends, les frères, c'est bon, Mohamed El-Amin, t'es là? Ouais. J'étais en 4G, là. J'ai remis un truc. OK. Juste parce qu'on est en train de parler d'eux et la notion de sacrifice que les Sahaba, ils avaient. Mais je pense que le truc, une des choses qui a... Je vais me permettre de le dire, hein. Après je vais l'expliquer. Une des choses qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à la communauté, c'est justement de vouloir ressembler aux Sahaba. Pourquoi je dis ça? J'espère que tu as un bon argumentaire. T'inquiète pas, j'ai de l'argumentaire. T'inquiète pas, j'ai de l'argumentaire. Je vais t'expliquer okay, pourquoi. C'est la base de vouloir ressembler aux Sahaba. Non, attends, t'inquiète pas, on va y arriver. Pourquoi je dis... Parce qu'en fait, subhanallah, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on ne pourra jamais, je dis bien jamais, au grand jamais, arriver ne serait-ce qu'à l'orteil d'un sahabi. C'est impossible. C'est impossible. Si quelqu'un aujourd'hui a réussi à atteindre, je ne sais pas, ne serait-ce que le niveau de ceux qui ramassaient la salive du prophète alayhi salatu wassalam pour s'en essuyer le visage, informez-moi où il est, je vais le suivre toute ma vie. Je vais tout abandonner, femme, enfant, et je le suis. Donnez-moi son adresse. Ouais, comme dit Khabib, send me location. Send me location, tu vois. Comme dit Khabib, et j'y vais. Non mais attends, par contre, ça c'était la première
C'est la première opinion. La deuxième opinion, c'est qu'il faut s'en inspirer. Et là, le truc. Parce que si tu veux faire comme, tu sais, je suis prêt à mettre ma main au coupé, qu'à un moment donné, tu vas lâcher l'affaire à tous les niveaux. Il n'y aura plus de, il n'y aura plus de sacrifice, il n'y aura plus de salat, il n'y aura plus de siam, il n'y aura plus de. C'est très, très dur de vouloir ressembler au sahaba, de vouloir ressembler au prophète. Il faut s'en inspirer. Il faut marcher sur leurs traces. Enfin, il faut suivre leurs traces, mais pas marcher sur leurs traces. Tu vois ? C'est là où moi, je pense, peut-être que je me trompe, tu vois ? Tu vois, vous êtes là, vous rigolez, là. Non, moi, je suis d'accord, mais c'est juste... C'est... Bon, vas-y, voilà. Attends, je termine. Moi, je pense qu'il faut suivre. Hein ? Oui, je suis d'accord. Bon, ça... Voilà, il faut suivre. Parce que quand, hein, tu veux, par exemple, arriver au niveau de... Hein ? Tu es d'accord avec les propos ? T'es d'accord avec ses propos ? Non, toi, je te demande. Attends, laisse-le finir, ouais. Justement, c'est... J'ai terminé, mais le truc, c'est quoi ? C'est que c'est comment je vois les choses et comment, par exemple, on s'inspire des sahabas, tu vois, c'est déjà, premièrement, c'est à travers les récits. C'est à travers la vie qu'ils ont vécue, etc., etc. Toi, t'essayes, on va dire, de... Je vais pas dire de calquer, tu vois, mais t'essayes de t'en inspirer pour, je sais pas moi, par rapport à ce que toi t'es, tu vois, ce que toi tu es, t'essayes de voir si t'as des accointances, je sais pas moi, peut-être avec Omar, avec Ali, avec Abou Bakr, tu vois, t'essayes de voir... Moi, je sais, déjà, par exemple, quand tu prends le caractère, on va dire très... comment on peut appeler ça ? Très... très, très, dans Omar, comment est-ce que je pourrais le définir? Il détestait l'injustice. Il détestait l'injustice, mais de manière viscérale, tu vois. Moi, des fois, je vois des trucs, je vois des injustices, frérot, je suis capable, t'as vu, mon cerveau, il peut bloquer, en fait. Tu vois? Je peux ne plus savoir où je suis, je peux ne plus savoir ce que je dis, voilà. Tu sais, c'est ça, en fait, essayer de trouver des ressemblances et de s'améliorer avec ça. Mais vouloir marcher sur les traces d'un tel, ça va être, c'est, pour moi, c'est très, très compliqué. Ah, et surtout, nous, musulmans, occidentaux, frère. Tu vois ce que je veux dire, Parce que pourquoi avec Ibrahim, on rigolait? Parce qu'il avait dit « mouais ». Pourquoi? Parce que tu avais dit la même chose. Après, t'as exprimé autrement. Mais oui, en fait, marcher sur les pas, c'est prendre exemple. Mais tu ne pourras jamais atteindre les sahaba, radiyallahu anhum. Ça, c'est clair. C'est ça. Par contre, y a le hadith, justement, il est dans la silsila sahiha, donc où le prophète alayhi salatu wassalam dit man adabu wujitu law anni ra'aytu ikhwani, je pense, comme ça. Il y a celui-là, il y a celui qui ressemble aussi, parce que dans la silsila sahiha, Allahu Akbar, tu as des hadith, tu as beaucoup de règles de fiqh qui sont établis sans prendre ces hadiths, mais dans ces hadiths-là, tu as déjà ces règles de fiqh qui sont introduites dedans, enfin qui sont contenues dedans, subhanallah. Et on connaît avec l'histoire des madahib qu'il y a des moments où il manquait des hadiths à certains imams et qu'ils jugeaient en fonction de ce qu'ils avaient. Mais là, subhanallah, dans ce recueil-là, entre autres, tu as vraiment tous les détails. Et tu as celui de, le prophète alayhi salatu wassalam pose la question, men. Après j'irai reprendre le texte exact, mais men ajabu imani, qui a la foi étonnante, et les sahaba disent al malaika, et il dit kayfa la yu'minun wa hum malaika, justement. Après ils disent al anbiya an-nabiyun kayfa la yu'minun an-nabiyun wa hum wa yuha ilayhim. Comment ils ne pourraient pas croire alors qu'il leur est la révélation leur est donnée. Ils disent sahaba, ils disent comment, Nabi alayhi salatu wasalam répond, kayfa la yu'minun as-sahaba wa hum ashabul anbiya, justement. Wa hum ma'ahumul anbiya. Et il dit bal alladhina min ba'dikum, ceux qui viendront après vous, yajiduna kitaban fayattabi'una. Subhanallahi al-'azim.
Donc il dit, alayhi salatu wassalam, par non, finalement, ce seront ceux qui viendront après vous, qui trouveront un livre et qui le suivront, ce livre-là. Donc, subhanallah al-azim, on ne peut pas atteindre les sahaba, mais comme dans le hadith où justement le prophète alayhi salatu wassalam parle de ses frères, ceux qui croiront en lui sans l'avoir vu, c'est que on a une qualité, on a une spécificité qui est qu'on croit en ces gens-là sans les avoir vus et qu'on les suit sans les avoir vus. Et donc, subhanallah al-azim, la qualité des sahaba et le statut des sahaba est inatteignable, mais en tant que exemple et modèle pour nous, justement, on peut atteindre cette spécificité qui nous amène à être rapprochés d'eux. Bi'iznillah wa fadli. Et donc, effectivement, il y a des gens qui vont avoir une mauvaise lecture et qui vont, comme on disait avec le frère Ibrahim, le jihad, ce n'est pas que silah, ce n'est pas que les armes. Ce n'est pas, bien sûr que le degré le plus haut et le toit de l'islam, c'est le jihad et c'est la défense et c'est l'offensive aussi. Et donc, tout ça, ça relève de la stratégie militaire. Et on sait très bien que la paix ne s'établit que par la guerre. La pax, c'est avec la guerre. Il y a même le civis pacem parabellum. Il y a le proverbe qui dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Si tu veux la paix, c'est par la guerre. Donc, c'est la ibada parmi les plus élevées, si ce n'est la plus élevée. Parmi les plus élevées, parce qu'elle rassemble tout. Mais dans justement le jihad, dans l'effort justement sur le sentier d'Allah, il y a le fait d'étudier, de s'éduquer, d'investir, donc bi amwalihim wa anfusihim. Donc bi amwalihim wa anfusihim. C'est d'abord avec les biens et ensuite avec les personnes, pardon. Donc on doit. Que l'argent, c'est le nerf de la guerre, tu vois. Encore. Là, il a mis un mois en premier après le 9, c'est pas pour rien. Il n'est pas encore endormi. Ah non, j'écoute. Hein. C'est que je te jure. Je suis au calme. Le frère, il apparaît sur l'écran comme les émoticônes des fois. Là. Les emojis sur Snap, là. Tu sais, les emojis sur Snap où genre il t'a vu, après il revient, tu vois. Comme ça, il est comme ça. Avec le sacrifice, avec la thématique du sacrifice, Inch'Allah, il faut qu'on tourne la page vite, comme ça on va passer au sujet. Attends, laisse les gens finir. Il y a plusieurs thématiques à aborder. Ouais, mais au moins, tu ne laisses même pas finir. Non, finis, quand même. Oh, là, on a des choses. Donc, c'est comme une namestadino kelladina. Lem tajid. Ceux pour qui tu n'as pas trouvé de quoi. Tahmilahum alayhim. Ma tahmilahum. Donc, ceux pour qui tu n'as pas trouvé de quoi les défendre. Il n'y a que eux qui sont excusés dans le combat. Dans certaines conditions, dans certaines situations. Donc pareil, voilà, ceux qui n'ont pas le courage de se mettre en avant, mais qui en coulisses fournissent un travail, parce que nous c'est ce qu'on fait depuis des années, dans l'ombre on travaille, on est un petit peu en avant, mais là on va passer, comme il a dit le frère Ibrahim, en avant, vraiment en première ligne au front, et qu'on va se prendre tous les problèmes, bien sûr, ça on en est conscient, alhamdoulilah, même si on est carré au niveau du droit et qu'on peut rien nous faire en tant que tel. Voilà, le sacrifice, il est à tous les niveaux, et sahaba, ce sont nos modèles, mais bien sûr qu'on ne pourra jamais les atteindre, radiyallahu anhum alayhi wa sallam. Je veux clôturer la première thématique sur le sacrifice, en disant, Ziyad, je comprends ce que tu veux dire lorsque tu dis que je pense à Allahu A'lam que, en fait, les sahaba, on doit les prendre, pour exemple. Il n'y a pas de doute là-dessus. On est en conscience que jamais on ne pourra atteindre leur niveau. Après, je pense que le problème de certains frères, c'est qu'en fait, ils essayent de calquer la vie des sahaba à ce que nous vivons aujourd'hui. Et moi, j'appelle ça, en fait, des frères qui n'ont pas compris les enjeux. T'as trouvé le bon mot, calquer. Subhanallah, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'en fait, moi, j'explique souvent à mes proches, il y a des facteurs anciens, il y a des facteurs contemporains.
Et nous, on doit essayer de faire un juste milieu entre tous ces facteurs et tous ces enjeux qui sont contemporains et anciens. On ne pourra pas Là. casser leur vie à la nôtre, parce qu'ils vivaient dans un contexte qui était totalement différent. Donc nous, on doit essayer de s'inspirer en étant sur le Coran et la Sunna, en essayant de voir comment ils ont fait, mais en essayant d'adapter ça à la manière dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Parce que c'est pour ça qu'on hier on parlait de géopolitique, géostratégie. C'est important parce que eux, ils avaient une géopolitique, une géostratégie, ils avaient des facteurs qui étaient à leur époque à eux, et nous, nous avons d'autres problématiques à notre époque à nous. Donc nous, on doit essayer de suivre leurs traces, mais dans le contexte actuel dans lequel nous vivons. Et ça, c'est vraiment un problème. Beaucoup de frères, ils n'arrivent pas à faire le juste milieu entre les facteurs contemporains que nous vivons aujourd'hui et la vie que eux menaient avant. Donc voilà. Donc, je pense à la Warren, qui est le propos du frère Ziad. Donc, Inch'Allah, on va finir avec la thématique du sacrifice. Maintenant, on va rentrer dans la deuxième thématique. On va revenir sur ce dont on parlait hier, qui est l'islam politique. Ibrahim, hier, avant que tu partes, tu avais des choses à dire par rapport à l'islam politique. Ouais, mais voilà, je ne me rappelle plus. Bismillah. Je suis désolé. Je me suis souvenu tout à l'heure, je voulais l'écrire. J'ai dit non, vas-y, je vais m'en rappeler. Je ne me rappelle plus. Mais si vous en parlez, peut-être ça va me revenir, tu vois. Hey, je te jure, frérot, t'apparais comme les snaps, je te jure. Après, tu repars comme ça. Vous, vous avez encore des choses à dire par rapport à hier sur les sciences politiques? Hein? Vas-y, Malik. Vas-y, Malik. Ouais. Ben, j'allais dire, justement, j'allais rebondir sur ce que tu Vas-y, disais, Ibrahim, hafidhakallah. Voilà. Donc, oui, par rapport à ce que tu disais, c'est. La géopolitique, justement, c'est ce qui manque à beaucoup de gens. C'est-à-dire que Nabi alayhi salatu wassalam, déjà à son époque, on place la mondialisation à peu près 5e, 7e, enfin, 6e, 7e siècle. C'est-à-dire l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. La mondialisation, elle commence à ce moment-là où tout le monde est réuni par le commerce, par les échanges. Par la politique entre les pays, entre les nations. Et donc, petit à petit, on a justement ce relationnel international qui se met à grande échelle, parce qu'on a déjà d'autres exemples. On a les Romains qui sont pas loin, les Byzantins, on a les Romains de Rome, on a les Perses, les Indiens, toutes ces grandes civilisations qui avaient déjà établi ça. Avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notamment avec les lettres qu'il envoyait, les missives qu'il envoyait au gouverneur de son temps, on a eu un bel exemple, même le meilleur exemple de la diplomatie. Et aujourd'hui, justement, on est aussi à cette époque-là où la diplomatie, elle est obligatoire, elle est nécessaire. Tu ne peux pas arriver et penser que le prophète lui-même l'a pas fait, alayhi salatu salam, les sahaba eux-mêmes l'ont pas fait, radiallahu anhum. Pour la Qadisiyya, la bataille de la Qadisiyya, celle qui a fait tomber l'Empire perse, ça s'est pas fait en un jour, ça s'est pas fait sans tâter le terrain préalablement, ça s'est pas fait sans consulter les autorités locales perses en leur annonçant, voilà, c'est, il faut qu'on se calme, il faut qu'on discute, il y a des tensions, il faut qu'on arrive à les annihiler, etc. Pareil avec, on prend Héraclius. Héraclius, qui avait reçu Abou Sofiane, radiallahu anhu, qabla islami, avant son entrée en islam. Et ensuite, quand Héraclius a dit que, donc il a rapporté qu'il a, même si certains doutent de l'authenticité, mais en tout cas, historiquement, ça correspond, qu'il sait que c'est la vérité, mais par rapport à son peuple, il va pas le reconnaître. Et ben après, des années après, il a été prévenu. Son empire, du moins sa gouvernance, s'est effondrée. Donc, il faut comprendre que Sahaba, radiallahu anhum, c'était des experts. Parmi eux, il y avait des experts de ces affaires-là, les affaires publiques, les affaires politiques, justement. Et donc, chacun avait son rôle. Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhum, par exemple, lui, il était un chef militaire, il était le grand, le plus grand même, selon les historiens occidentaux aussi. Donc,
on appuie dessus parce qu'ils ne sont pas musulmans, ils sont kafirun. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'eux-mêmes témoignent du fait que le plus grand stratège de toute l'histoire militaire, c'est Khalid ibn al-Walid. Mais Khalid ibn al-Walid, radiallahu anh, il avait des ordres. Il recevait des ordres des Oumara, il recevait des ordres du Khalifa lui-même. Donc, et avec Abdullah ibn Amr, avec Amr ibn al-As, pardon, avec Amr ibn al-As, il y avait aussi justement ce tâtonnement. Quand Khalid ibn al-Walid allait un peu loin dans les actions militaires, on le remplaçait, etc., etc. Donc, la gouvernance, parce que le politique, c'est la gouvernance. D'ailleurs, j'ai fait un petit réel sur ça tout à l'heure, une vidéo d'une minute, où je parlais de ce qu'Allah a dit, Inni ja'ilun fil ardi khalifa, je vais placer sur terre un vicaire, un représentant donc de la loi d'Allah. Ensuite, Inni al-hukmu illa lillahi amara an la ta'budu illa iyyah. Là, le jugement n'appartient qu'à Allah, il ordonna de que vous n'ordonniez que vous il ordonna que vous n'adoriez que lui. Afa hukm al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun. Donc veulent-ils, désirent-ils, donc dans sourate Al-Imran, désire-t-il le jugement de la jahiliya, de la période de paganisme, de l'ignorance, et qui est meilleur qu'Allah en jugement, donc en hukm, donc en pouvoir, donc en décision, qu'Allah pour un peuple de personnes convaincues, pour un peuple de convaincus, yuqinun, de personnes qui ont la conviction, qui ont la certitude. Donc la certitude, al-iqan, c'est l'étape après al-iman. Donc, subhanallah, clairement, et c'est directement en lien avec ce qu'on a dit, sahaba anhum, si on veut se rapprocher d'eux, il faut se rapprocher de leur stratégie politique, leur stratégie militaire, leur stratégie éducative, comment ils s'adressaient aux populations qu'ils allaient libérer des tawarit, des tyrans qui les gouvernaient, comment les sahaba ont été pour les chefs militaires accueillis comme Amr ibn al-As en Égypte comme des héros libérateurs, etc., etc. Donc voilà, moi sur ça, j'avais ça à rappeler. Walillahi alhamdu wal minna. Alors moi, ce que je voudrais dire par rapport à l'importance de connaître la géopolitique, le musulman, il ne doit pas s'en passer, il ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Déjà, lorsque on lit la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, généralement, dans la plupart des sirahs, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence par nous parler de l'état politique qu'il y avait dans la péninsule arabique et dans le monde en général. Il nous parle des puissances qu'il y avait les forces et l'équivalent de l'Iran aujourd'hui et qu'il y avait les Roms et les Romains. Donc c'était et puis il y avait également l'Abyssinie, il y avait la péninsule arabique. Donc il nous parle des grandes puissances qu'il y avait auparavant. Lorsque tu lis la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa biographie, tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut un temps où il était esseulé à la Mecque. Il n'avait pas personne pour l'assister. Donc, il devait chercher des partenariats géostratégiques pour pouvoir promouvoir la Risala, le message. Donc, un temps, il est parti à Taïf, etc. Il a bougé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi? Parce que le musulman, il va avoir besoin d'alliances géostratégiques temporaires. Donc, et tout ça, c'est dans tout ça, c'est géopolitique. Et le prophète, donc, on le voit dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui fait défaut à beaucoup de personnes, c'est qu'ils n'arrivent pas à retranscrire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait de nos jours. Et on voit que beaucoup de musulmans, lorsque, par exemple, ils voient aujourd'hui, pour certains musulmans, par exemple, moi je trouve que s'intéresser, par exemple, à la vie de personnes non musulmanes, mais qu'ils ont été des fins stratagèmes, c'est très important. Comme le Che Guevara, par exemple. Je regarde sa vie au Che Guevara. C'était quelqu'un, c'était un marxiste, il a vraiment voulu, c'était quelqu'un qui a voulu, un révolutionnaire. Il a voulu la révolution dans l'Amérique latine. Donc il est parti, il a voyagé, il a essayé de chercher comment bousculer
l'hégémonie occidentale qui voulait s'installer dans le monde entier. Juste une parenthèse. Une parenthèse. Tu sais que Che Guevara, il est allé voir un moudjahid marocain, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Oh putain, je ne me rappelle plus de son nom. Un moudjahid qui est marocain, même ils ont, les Italiens, ils ont voulu rentrer au Maroc, et je crois qu'il a repoussé les Italiens. Ah, attends, c'est pas les Espagnols, c'est Abdelkarim Al-Khattabi. Voilà, Abdelkarim Al-Khattabi. Voilà. Ah, c'était pas les Italiens, c'était les Espagnols. Non, c'est les Espagnols. Voilà. Il est allé le voir, et il lui a appris, tu sais ce qu'ils font les Palestiniens, là, les tranchées, là. Ils arrivent, ils font des tunnels, après ils se retrouvent de l'autre côté, tout ça. Il a appris ça chez Guevara. Et il a mis ça en application là-bas, en Colombie, ou je ne sais plus d'où il est d'ailleurs. Il est d'Argentine, mais je crois que. Cuba. Avec Fidel Castro. Et quand il est allé à Cuba, il a appliqué cette stratégie, toi. Bref, avec Fidel Castro. Je ferme la parenthèse. Donc en fait. Le problème, c'est que parfois, les musulmans, comme disait Ziyad, on va être bridés. Alors qu'il y a des sujets géostratégiques, géopolitiques, sur lesquels on est obligé de s'informer. Soit pour essayer de savoir comment eux, ils ont fait pour réussir à mener des révolutions. Parce qu'il y a des hommes, même s'ils ne sont pas musulmans, des fois, quand je regarde leur reportage, moi, je m'attriste, je me dis, ces gens-là, leur manquait juste l'islam, subhanallah. Parce que c'est des gens qui étaient contre l'hégémonie occidentale, contre les oligarchies occidentales, contre ce que l'on veut nous imposer et tout ça. Et donc, ouais. Le musulman doit essayer de regarder ce genre de gens comme Patrice Lumumba, comme Thomas Sankara, comme le Che Guevara. Parce que parmi les révolutionnaires contemporains qui sont connus, c'est des gens de qui on peut plus ou moins s'inspirer. On sait qu'ils ne sont pas musulmans, donc on ne va pas apprendre notre religion de ces gens-là. Mais les combats qu'ils ont menés contre les oligarchies occidentales pour essayer d'étudier cela. Donc tout ça, c'est des sujets géopolitiques, géostratégiques qui sont très importants. Et je pense que voilà. D'autant plus que nos ennemis à nous étudient notre religion. Subhanallah. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, tu as des gens, tu vas leur dire ça, ils vont te dire oui, mais eux, c'est des koufars, je sais pas quoi, tu sais, ils n'ont rien d'autre à faire que ça. Le jour où j'ai entendu ça, j'ai dit, toi, tu files un mauvais coton. Toi, j'irai pas à la guerre avec toi, mon ami. Tu vois, j'ai dit ça direct. Je lui ai dit, toi, ba'd aliya, tu vois, va là-bas, va, il y a des canards là-bas, prends du pain, jette-leur et parle avec eux, peut-être ils vont te répondre, tu vois. Mais, tu vois, c'est ça, moi, qui me gare, en fait, c'est la médiocrité. Moi, j'ai horreur, en fait, de... Moi, je préfère que quelqu'un, il se donne à fond dans un truc, mais il le rate complètement, mais au moins, il s'est donné à fond, tu vois, et il a eu le mérite de le faire, plutôt que quelqu'un, il a les capacités pour faire quelque chose, et comme il disait Abou Mouahad, tu vois, frère Abou Mouahad, le roi de la punchline, à qui on passe un salam, qui dit il préfère aller gratter des plaques pour 5 euros. Tu vois, les plaques pour les kebabs et tout. Non, mais vraiment. Et le truc, c'est quoi? C'est que moi, je me réfère à un verset coranique qui dit Khayr al-Ummat ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure communauté qui est sortie pour les gens. Et quand moi, je lis le mot meilleur, j'estime qu'on doit être meilleur dans tous les ordres. Tout, bon, je ne vais pas dire tous les aspects, mais chaque chose qu'on saisit, on doit être les meilleurs dedans. On va prendre un exemple. Et ça, je l'ai pris de ton Facebook, Malik, et je l'ai mis sur mon master Instagram. Il y a une question qui est d'ailleurs, voilà, je vais le lire ici, comme ça va être plus clair. Salam alaikum, les frères. Alors, attends deux petites secondes. Comment allez-vous? Bien, alhamdulillah, ça va. Ouais, on va donner la parole. Hein. Juste faire finir, après on va donner la parole. Ouais. Alors, je vous en prie. Alors, le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, a évoqué les demandes spécifiques de certaines communautés concernant les piscines. Jean-Jacques Bourdin,
animateur sur RMC qui aujourd'hui a été jarté pour agression sexuelle. C'est important de le préciser, tu vois. Là, il est vraiment plus là-bas. Ah, il est plus là-bas, c'est vrai. Parce qu'il avait, encore une d'ailleurs, j'incite les gens à aller regarder la vidéo que Dieudonné a faite sur ça. Tu vois, voyez ma chaise, là. J'ai fait comme ça. Je suis tombé. Tu vois. Attends. Mais ils l'ont vraiment, vraiment. Il est marché. Bah écoute, là, il est écarté. Donc, je ne sais pas s'il a été viré. Plus personne n'en parle. Donc, je ne sais pas. Ah, Zied. Il nous faut le même micro pour la radio. Frérot, t'inquiète. Laisse faire l'expert en la matière. Tragline. M'inquiète pas, poteau. Tu vas voir. Alors, attends. Donc, Jean-Jacques Bourdin qui pose la question au grand rabbin de France, Gilles Bernheim, il lui dit. Enfin, un ancien, je crois, il lui dit, est-ce que vous comprenez une jeune femme juive qui désire se baigner dans une piscine avec d'autres femmes juives et seulement entre femmes? Réponse punchline, oui, je comprends. Voilà. Ça aurait été Rachid Elgé, Boussena, Tariq Ramadan, tous ces gens-là, ils auraient dit, alors écoutez, les lois de la République sont au-dessus des lois coraniques, ils auraient tous sorti un de ces coups de violon magistral, tu vois. Un coup de harpe. T'es en train de spoiler, là, parce que ça, c'est le discours, justement. C'est la thématique. Ok, bon, vas-y. La féminisation, vas-y. Parce que pour moi, ça se rentre dans la féminisation. Vas-y. C'était juste un exemple, justement, que je voulais donner. Parce que ça, encore une fois, ce que je viens de dire là, c'est un fait politique. C'est un fait politique. C'est rien d'autre. C'est pas social. C'est pas éducatif. C'est pas économique, c'est pas ceci, c'est pas cela, tu vois. C'est un fait politique. Et quand tu regardes l'écrasement des 500 000 juifs de France qui écrasent les institutions étatiques, tu vois, tu peux dire qu'une chose, malgré que, voilà, moi je suis le premier à cartonner la mentalité judéo-sioniste, néo-conservatrice, etc., mais pas tous les juifs de France, c'est bien préciser les choses. Quand tu vois que ces gens-là, ils mettent à plat ventre la République française, moi je dis bravo. Ouais. Et pourtant, c'est des gens qu'Allah, il a maudit jusqu'à Dieu. Il faut qu'on se demande pourquoi. On va laisser frère réagir. Et frère, tu vois, avant de réagir, est-ce que tu peux te présenter comme ça, pour la première fois que. Déjà, contrairement à mon profil, mon prénom musulman, c'est Tarek. Mais pour des raisons administratives, je peux pas trop exposer mon nom. C'est pas le dire. Non, mais moi, tu sais, j'en suis arrivé à un niveau des problèmes administratifs où je peux même dire devant la caméra, oui, j'ai des problèmes et ça va pas m'en créer plus. Voilà, toi, je sens que t'es enfermé quelque part en France, toi. Non, je rigole. Oh, subhanallah. Non, ça fait 3 ans que je suis dehors, Harry. Ah, ouais. J'avais raison. Mais non, ça fait 3 ans que je suis libre. Non, je rigole, je te taquine. Au calme, Harry, on est ensemble, ça bouge pas. Alhamdulillah. Donc, moi, ma petite réaction sur le sujet que t'as abordé, en fait, c'est de dire... Parce que tu dis bravo les juifs, malgré la sanction d'Allah, c'est-à-dire qu'ils sont devenus un peuple qui ont encouru la colère d'Allah, mais malgré ça, ils ont réussi. Donc, moi, j'en viens à ça. Déjà, quand on fait une doa, on doit faire sabab. Parce que sinon, selon certains savants, c'est considéré comme une forme d'arrogance de ne pas faire le sabab en même temps que la doa. Ça, c'est un point. Mais ensuite, il faut regarder quoi? Parce que tu dis, oui, on est stigmatisé par les institutions françaises, nanani, nanani, nanana. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-il pas vrai que nous étions non seulement, oui, une puissance spirituelle et militaire, mais nous étions également une puissance économique? Nous avions des personnalités éminentes. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est même pas fichu d'organiser une académie des sciences qui va statuer sur quelles sont les priorités d'éducation, quelle est la manière de la communication extérieure. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'en fait, finalement, par notre inaction,
on entache nous-mêmes notre crédibilité et notre potentiel d'action. Ben oui. Ben quand tu regardes par exemple aujourd'hui, pourquoi est-ce que les Juifs de France, ils arrivent à réaliser ça? Parce qu'ils ont exactement fait ce que tu viens de dire des siècles, par exemple les années 1800, quand tu regardes les années 1800, 1700, 1800, des trucs comme ça, c'était les années où surtout je crois, depuis que Napoléon a mis en place consistoire juif de France, je crois, tu vois. Où il a donné justement la place aux Juifs en France, etc. C'est là où ils ont commencé à installer petit à petit Après, un modèle. pardon, il faut juste savoir que le sionisme en France, il est installé depuis bien plus longtemps que ce que tu dis, Oui. parce que Non, non, non. il faut savoir que ça a commencé avec les Juifs lombards, qui étaient les banquiers des rois de France. Alors, moi, je te parle pas de, je te parle pas de, je te parle pas des, je te parle pas des sionistes. Hein. Alors, attention. Moi, je parle vraiment de comment ils ont mis en place aujourd'hui les moyens de pouvoir mettre à plat ventre la République française. Bah comment? Ça fait depuis des Explique-moi années. comment. Hein? Ah mais comment? Parce que l'argent c'est bien beau, mais Ben comment? oui, Comment ça se frérot, fait? Est-ce que ils ont créé, c'est un aspect immédiat? on va revenir sur ce que le frère Tarek a dit. Ils ont créé le système financier, un système financier bancaire qui se base sur la soumission des nations par la dette. Par le riba, l'intérêt, toutes ces choses-là, etc., etc. Tu vois? C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont soumis la France, tu vois? Ils ont soumis les États-Unis, ils ont soumis les peuples du Maghreb, pas se mentir, enfin les peuples, les institutions maghrébines, Et ils ont toute la soumis. péninsule arabique également. Ouais, la péninsule arabique, je sais pas, Hein. La Entre péninsule arabique, Dubaï. ils ont soumis à l'hégémonie occidentale, donc ils sont soumis à la même personne. Voilà, après, D'accord. D'accord. je sais pas, c'est fort possible, c'est très très fort possible, mais j'ai pas les éléments pour le dire. Mais en Chauffé tout cas, que la dernière fois, il y avait un reportage sur les Émirats Arabes Unis. Et sur Dubaï plus particulièrement. Tu sais avec quoi ils travaillent? Une statuette asiatique du nom de Pixiu, une statuette à tête de lion. Ils ont mis ça devant tous les centres financiers de Dubaï et tous les plus grands hommes d'affaires de Dubaï, ils portent ce Pixiu au poignet. Ah, c'est chaud. Ah oui, ben, de toute façon, voilà, C'est ça. moi, je voulais passer par cette. Parce qu'on a parlé de ce cas-là pour expliquer que, comment dire, que le pouvoir, on va pas te le donner. Le pouvoir, il faut le prendre. Tu vois? Le pouvoir, il faut le prendre. Jamais on va te le donner. Et on a même un hadith qui dit celui qui demande le pouvoir, ne lui donnez pas. D'où le système électoral, d'où le boycott du système électoral par les musulmans. Voilà. Maintenant, le truc, c'est quoi? On est face à un défi. Nous, les musulmans en France, on est face à un défi. On est en face d'un système bancaire, d'un système de santé, d'un ensemble de systèmes qui régissent une nation, qui est en train de s'écrouler. On est face à un système politique, et notamment celle du président Macron et le gang LREM, parce que c'est pas un parti politique pour moi, c'est un gang, tu vois. Est-ce que tu connais le nom de son gang? Attends, juste termine, après t'inquiète, Vas-y, tu frère. vois. Donc le tout ça, parce que moi c'est pour ça que j'ai dit que l'élection d'Emmanuel Macron, quelque part c'est bien, parce que ça nous permet de rester en alerte et de rester sur nos gardes. Ce serait quelqu'un d'autre, on se relâche, bim. Et en fait, il s'avère que c'est un taré encore pire. Il va nous mettre des trucs qu'on s'y attendait même pas, tu vois. Donc voilà, je me dis quelque part, tout ça c'est en train de s'écrouler. Et c'est là où nous les musulmans, je veux dire, on doit s'insérer. C'est la pièce du puzzle qui manque, tu vois. Et la pièce du puzzle qui manque aujourd'hui en France, c'est que les musulmans s'imposent. Les histoires d'intégration, d'assimilation, pour moi, c'est tu mets une croix dessus. Moi, c'est imposer, tu dois t'imposer, tu ne dois pas t'intégrer. Par exemple, tout à l'heure, on était au centre-ville avec ma femme et les enfants, tu vois. Et je vois de plus en plus de femmes voilées, des sœurs en hijab. Wallah, j'étais grave content. Mashallah. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut s'imposer. Il faut faire comprendre aux gens
ici, on est chez nous et tu vas faire quoi? C'est comme ça que ça se passe. Tu vas rien faire du tout. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des musulmans qui sont en train de se réveiller, des frères comme Malik, des frères comme moi, des frères comme le frère Kaik Notariq, qui maîtrise apparemment certains sujets. Toi, Mohamed Lamine, même si t'es à l'étranger, il y a des frères qui sont en train de se réveiller, qui prennent conscience qu'on s'est fait rouler dans la farine pendant des années et des années. On nous a écartés de la politique. Tu vois? Pourquoi? Je ne sais pas. Par qui? Je ne sais pas. Allahu alam, tu vois? Mais aujourd'hui, on est en train de se réveiller. Aujourd'hui, on est en train de prendre conscience. Et aujourd'hui, les musulmans de France, à travers le travail que Malik et moi, en l'occurrence, parce que c'est nous qui sommes présents ce soir sur mon live, mais bien d'autres qui sont derrière. Je pense à mon frère Omer Mehdi, je pense à Abou Mouslim, qui m'a accompagné aussi dans certains lives et tout. On a fait un travail de dédiabolisation, pardon, de l'intellect islamique en France. Pas des musulmans, tu vois. Parce que quoi qu'il arrive, on sera toujours considéré comme le prophète Sassan, il me l'a dit, des gens étrangers, gros là-bas, tu vois. Celui qui embrasse cette religion devient un étranger pour les gens. Donc ils auront toujours peur de nous, ça c'est une évidence. Mais à travers le travail qu'on est en train de faire et beaucoup d'autres, on est en train de montrer, on est en train de révéler l'esprit, enfin l'esprit, on va dire, patriotique, pardon, et intellectuel franco-musulman. Tu vois? Et donc, et bon, j'espère Malik qui va revenir parce qu'on va en parler après. Ça passe par quoi? Ça passe par la création d'un mouvement. Je dis pas un parti, un mouvement. Les mots, ils sont très très importants. Un mouvement politique qui va nous permettre d'aller à la rencontre des gens, que ce soit en France, à l'étranger, leur expliquer que le pouvoir, on n'en veut pas, mais on va prendre le pouvoir de la rue, le pouvoir social, le pouvoir économique et surtout économique. On va leur expliquer, on va leur dire, regardez, nous, ce qu'on propose, ce qui est en train de détruire aujourd'hui les nations, c'est l'intérêt. L'intérêt à créer. Aujourd'hui, je crois on a plus de 1 000 milliards de dettes en France. Mais tout ça, c'est dû à quoi? Tu retires les intérêts, on doit être à 100 milliards de dettes. Tu vois? C'est l'intérêt. Et ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les grands usuriers judéo-conservateurs, tu vois, on les appelle comme ça, qui ont instauré ce système-là. Tout ça est en train de s'écrouler. On a une opportunité en or de s'insérer là-dedans et de dire, nous, on propose un modèle économique où tout le monde va manger, mais à grande échelle. C'est-à-dire qu'on supprime l'intérêt usuraire. Tu me prêtes 10 000 euros, je te rends 10 000 euros. Tu me prêtes 100 000 balles, je te rends 100 000 balles. Tu investis dans l'immobilier 3 appartements, tu vois. On va dire que tu investis pour moi 3 appartements. Moi, je vais te, comment dire, je vais te rendre l'appareil avec 3 autres appartements. Voilà, l'échange de bons procédés. On a le, comment dire, on a notre proposition politique qui est, on en revient tout à l'heure, le premier sujet, le don de soi, le sacrifice. Les musulmans, on est prêts à se sacrifier pour la veuve et l'orphelin. Demain, par exemple, on va prendre un exemple sur ce qui se passe au sein de l'ASE, tu vois. Les placements d'enfants, machin, etc. Moi, j'ai fait 2 émissions avec Mawlana Abdelhattab, qu'Allah le préserve, où on nous expliquait qu'aujourd'hui, en France, principalement, il y a une section à la DGSI, ils ont appelé la section Al-Lat. Al-Lat, c'est une divinité, tu vois, qui était à la Mecque à l'époque de la Révélation. Subhanallah, écoute bien, ils l'ont appelé Al-Lat. C'est Manuel Valls qui a monté ce truc-là, tu vois. Et dans cette section-là, en fait, c'est une section antiterroriste pour ficher un peu machin et tout, Ils ont voulu ils me rasent recruter. les enfants des musulmans et ils les sodomisent en leur faisant crier Allahu Akbar C'est pas dans les vrai. locaux de la DGSI et tout ça. Pas vrai. Ben ouais, mon frère. Ben bien sûr. Allez, regardez le live que j'ai fait avec moi. Il l'a révélé. Il l'a dit sur ma chaîne, Mourad Al-Khattab. Il l'a dit. Il n'a reçu aucun procès en diffamation. Et même la personne dont il a parlé, un gars responsable de la DGSI dans les Ardennes, Olivier Combes, tu vois. Il avait 2 chefs d'inculpation, détention d'images pédopornographiques et comment dire, agression sexuelle et tout. Et agression sexuelle, c'était ça. Il a été relaxé. Enfin, il a été relaxé pour le fait d'agression sexuelle, tu vois. Et condamné à 1 an de sursis pour détention d'images pédopornographiques. Et il parlait de ce truc-là, frère moi. Aujourd'hui, on s'en prend aux enfants des musulmans. On est en train de les rafler de plus en plus. Et c'est là où, pourquoi l'importance de créer un mouvement politique, c'est-à-dire que nous, demain, on apprend
qu'il y a une famille, on leur a pris leurs enfants, on active directement les réseaux, tu vois, les réseaux qu'on pourrait avoir à l'étranger, parce que je sais que des trucs comme ça, les Russes, ils attendent que ça, ils attendent que les musulmans en France ils se réveillent. Il faut le savoir, je le dis aujourd'hui à grande échelle. Les Russes n'attendent qu'une chose, c'est que les foutus musulmans qui pensent comme des occidentaux, qui sont en mode consommation, etc. et tout, qui n'en ont rien à taper de ce qui peut se passer, ils attendent que ces gens-là se réveillent. Donc, on crée un mouvement politique, on a du réseau dans le monde entier, tu vois. Moi, je sais que c'est un réseau que je peux apporter. J'en dis pas plus. Quand on fera les choses, ça se mettra en place, Inch'Allah. On crée du réseau. Et il n'y aura plus jamais, et je le dis aujourd'hui, face caméra, dans ton live de Mohamed Lamine, il n'y aura plus jamais aucune agression d'une sœur sans que les personnes qui ont commis ça, elles subissent pas un truc en contrepartie. Et au fur et à mesure, ils vont voir qu'il y a des musulmines qui soutiennent les sœurs, qui soutiennent les frères en difficulté, etc., qui soutiennent la communauté musulmane et qui amène un aspect, on va dire, militaire, intellectuel, etc. Plus personne ne va bouger, frère. Ça, il faut le savoir. Parce que c'est bien beau, encore une fois, faire des associations, des collectifs, aller déposer plainte. Tout ça, ça va être fini. Une sœur, elle se fait agresser. L'endroit où elle est, si on a des gens du mouvement, donne-nous le nom, prénom, on va aller tabasser. Pardon ? Ouais, tu avais des choses à dire tout à l'heure. Ouais, mais du coup, là, j'étais en train d'écouter le frère et ce que j'avais à dire tout à l'heure, ça m'est un peu sorti de la tête, je te cache pas. T'as perdu le fil. Ouais. Donc ouais, voilà, je suis désolé, hein, frérot, t'avoir fait perdre le fil, mais c'est pas grave du tout. Marhaba avec mon frère, c'est un sujet tellement intéressant parce que, tu sais, moi, je suis de trappe à la base. T'es à trappe actuellement? Non, je suis dans mon logement de fonction dans les Vosges. Ah, d'accord. Parce que... Ah, frérot, t'es pas loin de chez moi. Moi, je suis dans l'Aube. Mashallah, alaik. Ouais, vers 3 alors. Exact. Je suis à 3. Mashallah, mashallah. C'est juste de passage. N'hésite pas, frérot. Ajoute-moi sur Instagram. En plus, il y a fort moyen parce que, vas-y, on connaît du monde à 3 un peu. Inch'Allah, bitniga, ça marche. Il y a des jeunes qui sont morts à la trappe. Là. Je sais pas si t'as entendu. Ouais. Quand récemment? Il y a une semaine, ils sont morts accident de moto. Subhanallah, j'avais pas entendu. Ouais, attrape. Ouais. Enfin, moi, tu vois, c'est pareil. Moi, il y a un de mes petits frères musulmans. On m'avait mis un 2,5 YZ entre les mains. Vas-y, j'ai pas su le dompter. Bon, je me suis tapé une barrière de pompier, mais vas-y, j'ai quand même réussi à décoller la bécane. Je suis retombé sur le toit d'une voiture. Mais le petit 13 ans, il me voit faire une acrobatie du cirque. Il se dit, c'est facile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté, coup de première, soleil, tapé la tête, il est mort. Alors que je l'avais interdit de monter sur la moto, c'est les grands de son quartier qui lui monte. Tu vois comment? Bref, et tout ça, ouais, tout à l'heure, je voulais dire, il y a une sœur, c'était il y a un peu plus de 5 ans, il y a un peu plus de 5, ouais, 6, 7 ans, un truc comme ça, une sœur, une musulmane, pareil, elle a été retrouvée morte, tabassée par des skins, frère, en plein Ramadan. Mmh. Imagine-toi qu'en plein Ramadan, on arrive à soulever une sœur, frère, alors que tous les musulmans, ils sont dehors, frère. Tu vois la nécessité de s'organiser dans un mouvement politique. Tu veux faire un forza, mais tu sais, Mohamed Lamine, en plus, les responsables de cette association-là, enfin de ce mouvement-là, ils sont pas loin. Hein. Frérot, je vais te dire une chose. Je regrette de ne pas les avoir soutenus à l'époque et de m'être moqué d'eux. Parce qu'en réalité, quand tu reprends aujourd'hui, le problème, c'était la méthode. Mais dans le fond... Non, mais quand tu regardes dans le fond, frérot, mais ils avaient raison à 200%. Tu marches... Attends. Tu viens sur les plateaux télé, tu dis que le Coran est un livre de guerre, est un livre qui soumet les femmes, machin, nanana. Qu'est-ce qu'il a fait, frère? Il a pris le code civil, il l'a jeté par terre. Il a dit, vous parlez de notre livre, je parle de votre livre. Mais quand même, quand je regarde la France, comment c'était il y a 15 ans, et quand je regarde comment c'est aujourd'hui,
Je me dis, c'est le jour et la nuit. Je me dis, avant la France, c'était vraiment un pays ouvert. Les femmes ne pouvaient mettre du niqab. Il n'y avait pas de problème. Tu pouvais pratiquer ton islam. Franchement, quand je regarde comment c'est aujourd'hui, je me dis qu'avant, en France, tu pouvais pratiquer ton djinn. Frérot, depuis le passage du fossoyeur, Sarkozy, du c'est fossoyeur. Sarkozy qui a Eh ouais. commencé. C'est Depuis le Sarkozy. passage du Avant fossoyeur. ça. Avant ça, déjà François Hollande, les frères. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez le nom du gang à Macron? C'est les eugénistes. Il y a un bureau de l'eugénisme à New York. Et Ça arrive deux secondes. ça réunit tous les jeunes chefs d'État là qu'on a eu depuis récemment. Depuis François Hollande, Sarkozy, Macron, ils ont tous fait partie de ce bureau de l'eugénisme à New York. Et le bureau de l'eugénisme à New York, son but, c'est quoi? C'est les modifications humaines, c'est-à-dire améliorer le genre humain par, tu sais, comme le sérum du super soldat, les exosquelettes, tout ça, ça sort du bureau de l'eugénisme à New York. Tu vois, donc, à savoir que ben, forcément aussi les recherches qui vont avec, donc le développement cellulaire, les embryons de synthèse, etc. Tout ça, ça sort du bureau de l'eugénisme à New York. Donc, eux, c'est ça leur but. Ils veulent faire des cyborgs comme dans intelligence artificielle. C'est le transhumanisme. Ouais. C'est le transhumanisme, tout simplement. Tu vois? Ça s'appelle Mais le développement. exactement. Transhumanisme, c'est quoi? C'est la transformation du genre humain. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Et comment dire? Bah pour revenir sur ce que tu disais, Mohamed Lamine, c'est que depuis justement l'arrivée du fossoyeur agent de la CIA. Comment dire, et agent aussi, agent israélien, Ça peut jouer. ouais, exactement. Moi, je finis les sobriquets, tu vois, je finis de le terminer. Comment dire, victime préférée de Vladimir Poutine, parce qu'il l'a assommé, ah, il a mis KO, frère, hein, tu sais, un truc de ouf. Ce nabo, il est arrivé, il a dit, moi, après, il a dit, t'as fini, il a dit, tu vois, ton pays, comme ça, le mien est comme ça. Si je veux demain, je t'écrase. Et il a fait que de l'insulter pendant 1 heure, tu vois. Et avec l'autre, hein? Oui, vous vous posez des questions? Oui, allez-y, vous commencez par quoi? Hein? C'est chaud, là, hein? Tu sais que c'est toc, là, comme ça. Là. Le carnage Hein? Hein? avec Tu penses te limite prendre bien, pour t'aurais dû Charles, faire tu les guignols de l'info, frère. vois. Attention, hein? Moi, je suis un très très bon imitateur. Un hein? de ces quatre, je Vois ferai des ça, vidéos je à vois faire ça. d'imitation. Tu verras, enfin bref. C'est vrai que Et depuis donc, Sarkozy, la France, elle a changé. Hein? Parce que ouais, avant, moi, écoute, franchement. Sarkozy, il est venu avec la pelle. Hollande, il a commencé à creuser. Et Macron, il est en train d'enterrer le pays. Tu vois? C'est ça le truc. Macron. Hollande, j'ai l'impression qu'il a été pire que Sarkozy. Ouais. Mais Hollande, en fait, Hollande, dans Macron, c'est le. son petit. Tu sais, les gens, ils ont tendance à dire Macron, c'est un menteur, machin. Non, Macron, il a fait tout ce qu'il a fait. Il a appliqué le programme qu'il a dit qu'il allait appliquer. Hein. C'est juste que. C'est juste qu'en fait, chez certaines personnes qui sont stupides à souhait, ils n'ont pas compris qu'ils se faisaient baratiner par d'autres mots. Il a appliqué Un démagogue. exactement ce qu'il a dit qu'il allait appliquer, c'est-à-dire les GOP, les grandes orientations des politiques économiques. Et ça, tu peux le prendre sur le site de l'Union européenne. Tu vois, les coupes budgétaires, du ministère de la Santé, du ministère ministère de la Défense, comment dire. Bref, toutes ces choses-là, les professions libérales, il l'a fait, il l'a fait. Mais voilà, pour venir sur notre sujet, vu que Malik est revenu, voilà, la nécessité aujourd'hui de créer un mouvement politique, et encore une fois, comme je dis, un mouvement et non pas un parti, d'accord? Parce qu'un parti, c'est quelqu'un qui cherche de l'électorat, qui veut être élu, qui veut De la participer à la vie reconnaissance. politique. Voilà, exactement. Mais nous, c'est un mouvement politique qui va nous servir pour éduquer ou rééduquer, informer, réinformer, enfin bref, faire un travail de politique de gestion de la cité, enfin qui fera un travail de gestion de la cité, et gestion de la cité qui n'est que la définition du mot politique. Voilà, tout simplement. C'est ça, c'est là où on veut aller, et la première étape, c'était aujourd'hui, parce que moi, je lance un média, ma chaîne, je la transforme en un média, et qui dit, par exemple, je prends de l'exemple la droite à la TF1, parce que TF1 c'est un média de droite. La gauche c'est tout service public, France 2, France 3, France Info, France Culture, France 4.
l'extrême droite, c'est aussi TF1. Canal Plus, c'est beaucoup les bobos de gauche. Donc chaque parti politique ou chaque, on va dire, bord politique, il a un média qui lui est attitré officieusement. Après, tu as les médias, t'as les médias indépendants, comme par exemple le Média pour tous, de Vincent Lapierre, qui est plus orienté droite. Tu as le Média, qui est alors gauchiste, mais à vomir, tu vois. Tu as Blast, exactement, qui est gauchiste aussi, mais à vomir de chez vomir. Donc voilà. Donc nous, on va faire un mouvement politique avec un média qui sera ni de droite, ni de gauche, ni du centre, qui sera un média populaire, social et religieux. Mais en fait, voilà. En fait, ça va être quoi le programme du média? Du genre, tu vas aller sur le terrain faire des émissions. Déjà, ce que je fais avec ma chaîne, ça va être sur un plateau, tu vois. Ce que je fais sur ma chaîne, ça va être avec un plateau, avec des invités, avec des intervenants, notamment le frère Malik qui sera avec moi, sera un de mes nombreux chroniqueurs. Hein? Le média, c'était pas indiscret. Hein. C'est dans quelle ville le média? Bah, je suis à Troyes. Et de toute façon, les gens qui viendront, c'est t'inquiète. Tu vois, c'est très très simple d'accès. Tu vois. Donc voilà. Et ça commence par, déjà premièrement, le pouvoir, il est aujourd'hui, hein, le pouvoir, il est. Comment est-ce que les politiques nous dominent? C'est à travers la propagande et les finances. Et donc, c'est pour ça que nous, on dit, en tant que musulmans, déjà, on va avoir un média qui va être créé, sans compter aussi peut-être d'autres médias qui font le boulot, bon, peut-être pas, on va dire, à grande échelle, comme moi, j'aspire à le faire, mais il y a d'autres médias qui font le boulot, je pense notamment à Mehdi de Mavox, je pense à. Voilà. Même si. On peut ne pas être d'accord, machin tout, mais il produit du travail, il produit de l'information, il réinforme et il motive les musulmans à se bouger. Et moi, je saluerai toujours quelqu'un qui dit aux autres de se bouger. Voilà, je le saluerai toujours, peu importe. Et donc voilà, on va avoir ce support-là qui va nous permettre de véhiculer nos idées, d'accord? En France, et nous faire dépasser les frontières. Parce que Internet, aujourd'hui, là, maintenant, on peut parler avec un mec qui est en Australie. Tu vois? Ça peut aller très, très vite. Donc, c'est ça. Il faut récupérer le pouvoir médiatique et le pouvoir financier. Ça, on revient à ce que je disais tout à l'heure, Malik, quand t'avais quitté. Ce système financier et bancaire qui est en train de s'écrouler, nous, on va arriver avec le fait de dire, regardez, nous, ce qu'on propose, c'est encore mieux. Il n'y a plus d'intérêt. C'est fini. Et là, tout le monde va grailler bien comme il faut. Et ils ne pourront qu'être d'accord. De toute façon, tu sais, la plupart. C'est pour ça que c'est. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, qu'il est très important de prendre en considération tous les facteurs contemporains. Parmi les facteurs contemporains que le musulman il doit obligatoirement utiliser en sa faveur, ben, on l'a dit tout à l'heure, la géopolitique, mais également les médias. Parce que lorsque tu regardes, j'aime bien prendre l'exemple des Afro-Américains, mais il y a eu des grandes manifestations, notamment à Harlem et à Los Angeles, à Watts. Et en fait, les médias, ils étaient présents. Et lorsque les médias étaient présents, ça en fait, les médias, parce que c'est là que c'est parce que les années 1950, en fait, il a commencé à avoir la télévision. Dans toutes les maisons, ou la radio, des radios. Et en fait, ça a permis de sensibiliser les Américains sur la question des droits des Afro-Américains. C'est ça. Et en fait, ils se sont rendus compte que ces gens-là, ils se battent. En plus, il y avait Martin Luther King, il faisait des marches non violentes, mais c'était une marche silencieuse. Voilà, marche silencieuse, etc. Et malgré que les marches étaient silencieuses, ils se faisaient quand même brutaliser par les policiers. Donc, ça a permis de sensibiliser la communauté internationale. Et à ce moment-là, les États-Unis d'Amérique, ils étaient également embarqués dans la guerre du Vietnam. Donc, ils étaient mal en point dans la guerre du Vietnam et en même temps, à l'intérieur du pays, avec les minorités afro-américaines, les latinos, etc., ils avaient peur qu'une guerre civile éclate.
Donc, toute la pression qu'ils avaient sur eux, le gouvernement américain, ça les a obligés à Ben donner des droits aux Afro-Américains. Donc, c'est vraiment important. Tous ces éléments-là, c'est des éléments. Hein. Le musulman, il doit essayer de prendre en considération tout ça pour mettre la pression sur un gouvernement. y a eu un début de révolte civile à Tula. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du massacre de Tula aux États-Unis dans les années 20, ou 20 ou 30. Massacre. Al-Muhim, ils ont essayé de se soulever. Ils ont même, il y avait une grande industrie à Tula, et ils ont tout brûlé, tout ça, et voilà. Et là, c'est pareil, hein, la communauté noire de Tula, elle a pris cher, hein. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un massacre. J'allais dire justement que je suis parti à cause de la batterie. Afouane, salam Alaykoum. Bienvenue à toi, Khouna. C'est un plaisir que de pouvoir échanger avec vous, les frères. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. En plus, on a déjà eu quelques petits échanges en privé, toi, moi. Rapide. Alhamdoulilah. Donc voilà, c'est à cause de la batterie que voilà, je suis parti. Je Tranquille. reviens bien. Bismillah. Donc pour revenir déjà à ce que disait Ziyad tout à l'heure avant que ça coupe. Il a cité le fameux verset: Donc vous demeurez, kana, kuntum, c'est le verbe être, et ici avec son asl, c'est avec sa racine qu'il est employé. Kuntum, donc ce n'est pas le passé, mais c'est le présent de vérité générale. Donc c'est vous demeurez, si on veut traduire littéralement, vous demeurez la meilleure nation, parce que souvent on dit communauté, même si communauté c'est important dans l'organisation sociale, la nation c'est beaucoup plus fort. Ça englobe un ensemble de populations qui sont unies par un idéal. C'est ça une nation. Donc aujourd'hui on a les États-nations modernes qui sont définis par leur État. Une nation égale un État. Mais avant, c'était une nation représente une religion. Une nation représente un idéal éthique, philosophique, etc. Donc en ce qui nous concerne, nous faisons partie de la nation de l'islam, de la nation de Mohammed, alayhi salatu wassalam, ummatul islam, ummatu Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir de là, Allah azzawajal nous définit comme étant la meilleure nation ayant émergé, ayant été suggérée aux hommes, car vous, donc deux points, vous ordonnez, ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le convenable, wa tanhauna ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, et vous interdisez le blâmable, wa tu'minuna billah. Donc la condition pour être les meilleurs, c'est premièrement d'ordonner ce qui doit être ordonné, le bien, le convenable, d'interdire ce qui doit être interdit, donc le blâmable. Et ici, on a le ma'ruf et le munkar, ça veut dire ce qui est connu et ce qui est rejeté, littéralement. Ce qui est connu et ce qui est rejeté, l'urf, c'est ce que tout le monde sait comme étant bien. Donc ça veut dire que ce sont deux principes moraux universels. Donc ce que vous allez ordonner de bien, c'est ce qui est, par Allah Azzawajal, agréé. Ce que vous allez rejeter et interdire de mal, c'est ce qu'Allah Azzawajal a interdit. C'est comme lorsqu'Allah Azzawajal dit: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous a donné, prenez-le, et ce au sujet de quoi il vous a déconseillé, au sujet de quoi il vous a mis en garde, ou il vous a amené une interdiction, فَانْتَهُوا. Alors arrêtez ceci, arrêtez cela. مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ. Donc, c'est aussi dans un hadith du prophète. Donc, clairement, vous ordonnez le bien, vous interdisez le blâmable, et vous croyez en Allah. Le plus important à la fin, et vous croyez en Allah, comme dans le hadith au sujet du zawaj, nikah, tunkahul mar'a, ou yunkahun nisa, li jamaliha, al mar'a li jamaliha, wa li nasabiha. C'est à la fin qu'on épouse les femmes pour leur beauté, pour leur rang social, pour leur famille, pour leur bien,
par rapport à leur bien, par rapport à leur bien, par rapport à leur rang social, c'est-à-dire en fonction d'eux. En fonction de, et c'est là où les règles de la CAFEA entrent en règle, entrent en compte. Si quelqu'un est plus riche que, plus pauvre que la femme, on va pas forcément, on va même de base, on ne le donne pas à celui-là. Il faut qu'il soit plus riche qu'elle. Mais il y a des conditions où on peut, comme l'exemple de Khadija radiallahu anha, avec le prophète alayhi salatu wasalam. Donc, on revient à ça. Il y a la supériorité, justement, du bien sur le mal. Et la supériorité, encore, donc le niveau supérieur encore, c'est la foi en Allah. Et donc dans le hadith par rapport à la femme, et in fine, on épouse la femme en fonction de sa religion, pour sa religion. Donc, et vous croyez en Allah. Donc on a ces trois conditions-là pour être les meilleurs. Ordonner le bien, interdire le mal, et croire en Allah. Et comment on fait pour faire tout cela si on n'a pas justement une capacité publique, ça n'a pas une capacité politique, et le politique, encore une fois, au sens le plus large du terme, que même Platon utilisait pour définir ce qui gère la cité, ce qui gère la nation. Donc, à partir de là, si on reprend l'exemple justement des Afro-Américains, puisque nous sommes dans le contexte occidental, nous sommes les Afro-Européens, les Afro-Américains, eux, ce qu'ils ont fait... Pour ma part, clairement... je suis un peu viking, hein. Ah oui, Igor. Bon, on a les Norrois aussi, donc c'est ceux du Nord. On a les Nordiques qui sont pareil, hein, qui sont arrivés en France et qui ont considéré que c'était même pas intéressant Paris à l'époque et qui ont contourné Paris pour ça. Ils sont restés en Normandie. Voilà. Et donc, subhanallah, là. La politique et le politique, c'est s'investir dans la vie publique, s'investir en société. Et ce qui est essentiel, et comme vous l'avez tous rappelé ici, le débat. Le débat, la rhétorique, l'art oratoire, nous on est en train de discuter, on est en train de diffuser des idées. Et bien justement, c'est ça qui est l'essence du politique. Puisqu'on a des gens qui prennent parole, qui diffusent des idées, qui transmettent des principes, des préceptes, ces gens-là sont écoutés, ces gens-là sont relayés, et ces gens-là sont même pris en exemple par ceux qui sont dans l'exécutif, ou ceux qui sont dans le législatif aussi, qui votent les lois. Donc, on a ce rôle-là je vais te redonner la parole, mon frère. On a ce rôle-là d'avoir la maîtrise du verbe et la maîtrise des sujets de société, pour ensuite prendre des décisions et ensuite influencer. Et c'est pour ça que, justement, avec le projet qui se concrétise depuis le départ, il était concret, mais là, il est de plus en plus effectif, machallah, et efficient. Radio Principe TV qui va devenir Radio Principe qui devient Radio Principe TV et Zied est maître de ce média, alhamdoulilah. Il ne faut pas hésiter à se définir maître d'une chose quand on en est le garant, justement. Donc, Nabi alayhi salatu wasalam, il parlait de maître pour quelqu'un qui possède un esclave. Donc, il n'y a pas de honte à ça. Et donc, alhamdoulilah, il faut s'engager, il faut prendre parole et il faut diffuser les idées. Et en amont, écrire. Il faut écrire. Moi, ça fait depuis 2015 que j'écris, alhamdoulilah. J'ai écrit 200 articles. C'est juste une question de mise en page où voilà, ça me prend la tête. Donc sinon, j'aurais déjà sorti les livres. Le frère Zied a sorti des livres. Déjà, on a un poids lourd en géopolitique et en diplomatie qui est Mourad al-Hattab, qui est un invité de choix et de marque de radio principe. Il y a aussi qui est un chercheur indépendant, qui est un musulman, qui est un frère, que Youssef Hindi, qui lui aussi est très engagé, qui est très proche du média. Alhamdoulilah, donc c'est vraiment des personnes qui sont efficientes. Et en dehors des personnalités, justement, ce sont les idées qui importent. Nous, notre ligne, elle est clairement souverainiste. Nous sommes pour la souveraineté de soi, pour la souveraineté des musulmans, pour la souveraineté des Français. L'autodétermination. Exactement. Même si l'autodétermination reste un principe qui est exprimé à partir de 45. Donc, c'est l'ONU, l'autodétermination. C'est intéressant comme concept,
mais c'est dans un rapport quand même aux droits de l'homme. Alors que vraiment, le souverainisme, c'est au-delà de ça, c'est vraiment au-dessus de ça. Même si, bien sûr, hein, attention, hein, l'autodétermination, c'est comme l'anti-impérialisme, c'est pas forcément de gauche, non, pas du tout. Mais je précise vraiment que le principe même de souveraineté est au-dessus encore. Mais c'est tout à fait lié avec ce que tu viens de dire, mon frère Tarek. Et donc à partir de là, clairement pousser les idées à, donc comme je le disais tout le temps pendant mes lives sur le fait, à savoir il faut conquérir les idées, il faut maîtriser les idées et travailler avec. Et entre autres, par rapport à la structure politique, qui ne sera pas un parti justement démocratique, qui ne sera pas un parti électoraliste, nous sommes anti-électoralistes. Clairement, nous sommes contre le système d'élection. Et quand on sait très bien qu'en France, c'est une élite qui se définit comme étant élue pour qui personne n'a voté, et pourtant c'est eux qui tiennent le pays. Donc nous, voilà, on ne rentre pas dans ces bêtises-là qui nous feront entrer en état d'apostasie, alhamdoulilah, Voilà. Non, je disais, je répétais après toi, voilà, rien d'oublier Et à partir de là, voilà, agir aussi au niveau local, comme je l'expliquais, déplacement pour protéger des personnes qui se sont faites agresser, on disait enquête. tout à l'heure, je disais à Albiette que vous voulez faire revivre Forzan Ah oh, non! Attention! Ah al-Izza. non, 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 non! Pas d'amalgame! Pas d'appel à la haine! Non, 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 non! Non, pas. Ben, c'est des choses que moi j'ai Mais déjà fait. il y avait des bons côtés comme de Forza. Oui. Non, mais c'est-à-dire qu'ils sont partis un peu loin, les frères, dans ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, ils sont toujours en prison hein, jusqu'à aujourd'hui. Hein, Ah pour. non, c'est Ah vrai. oui! Ah Parce ouais. qu'ils sont partis. Ah oui, ils Bah, sont partis. moi, dans les Vosges, là, il y a des frères qui les connaissent et ils m'ont dit, ouais, ils sont toujours au HAPS, hein. Ah Pourtant, ouais. ils n'ont pas le droit en tant que tel de les garder aussi longtemps, mais à cause de l'enchaînement, il n'y avait pas encore l'organisation de Daoula Islamia, il n'y avait pas encore tout ça. Enfin, ça existait déjà depuis 1999, mais ils n'étaient pas établis territorialement. Il n'y avait personne qui allait les rejoindre en tant que tel en masse. Dès que c'est Bah, sorti ça, surtout. ils les ont maintenus en prison. Ouais. Bah, surtout le fait que la France est, enfin, je crois qu'il y a un décret qui est passé, on est en état d'urgence permanent. Ah Ouais. oui. Donc ça veut dire qu'ils peuvent se permettre de prolonger des peines sur des gens sur qui ils ont des suspicions, juste des C'est suspicions. ça, c'est Tu ça. vois? Ah Mais ouais. oui, là. Mais c'est pour, par exemple, moi, des choses que j'ai déjà organisées, que je faisais aussi à l'époque, d'une première partie, et puis après que j'ai continué à faire seul, enfin seul. C'est-à-dire, il y a l'exemple de ce frère de Beauvais que je salue, qui, Inch'Allah, si un jour il veut, il viendra en parler. Qui se faisait taper, qui se faisait interdire d'aller à la mosquée, qui se faisait, c'était des guet-apens en pleine journée, par des koufars, des blédards venant de pays chrétiens, enfin à majorité chrétienne, par exemple, je sais pas moi, le Congo ou autre, et qui empêchait le Ah frère de vivre carrément à Beauvais, dans la banlieue de Beauvais. Et il nous avait contacté à l'époque, c'était en 2016. Il nous avait contacté sur Facebook. À l'époque, j'avais un Facebook, puisque je me suis fait censurer un milliard de fois, qui était vraiment. Il avait explosé ce Facebook, au point où il y avait des comptes anonymes africains qui mettaient leur PP, leur photo de profil, c'était moi. Mais machallah, c'est un honneur, parce que c'est des musulmans, alhamdoulilah. Bref, il avait pris contact avec moi, et j'avais organisé en privé, j'avais donné les informations, j'avais contacté des frères, j'avais fait une annonce publique. Et du coup, les frères, ils sont retrouvés à 40 de France et de Belgique à Beauvais. Ils se sont tous retrouvés là-bas et ils se sont organisés en groupe de 5, machallah, et ils ont quadrillé toute la ville et ils ont calmé les gens. Ils les ont calmés, mais vraiment d'une manière très, très radicale qui était même pas, ils avaient même pas besoin de frapper parce qu'ils étaient organisés. 5, 5, 5, ils arrivent, ils comprenaient plus rien. Les gars, ils comprenaient plus rien. Ça, c'était en 2016, alhamdoulilah. Donc, grâce à ça, et le frère, il est toujours reconnaissant aujourd'hui à ce sujet-là. D'ailleurs, il y aurait peut-être nécessité d'y retourner parce que certains n'ont pas compris. Mais tout ça dans le respect du jus, c'est-à-dire le droit, on ne tape personne, sauf en cas de légitime défense.
Et ça, on a plein de disciplines de self-défense, de sport, etc., qui autorisent ça, enfin, que, pardon, le droit français tolère. Mais nous, avant tout, ce sont du droit français ce que l'on respecte, ce sont les principes qui sont au sein de la législation divine. Et la législation divine a transmis, comme le dit même Max Weber, a transmis des principes qui ont été récupérés même par des séculiers, surtout par des sécularistes, ceux qui sont contre la religion, et qui les appliquent. Donc voilà, le type d'action que j'ai, alhamdoulilah, toujours préconisé, organisé. Souvent, quand je dis aux gens, ça arrive sur les réseaux sociaux, quand il y a des embrouilles publiques, je dis, vas-y, donne ton adresse. Et après, on me dit, non, mais pourquoi? Je dis, non, mais c'est pour discuter, parce que là, c'est public. Tu t'attaques à moi, on va discuter. On va discuter en face à face. Comme ça, on calme les choses. Et comme ça ne va pas plus loin. Donc, parce que il y a aussi des gens qui profitent de ce genre de situation pour s'en prendre à des frères qui sont isolés. Vraiment, le frère en question, il est totalement isolé. Il n'y a personne. Même les musulmans de là-bas, dans son petit village, ils sont à l'ouest complet. Donc, alhamdoulilah, ce genre d'actions-là, voilà, qui sont légales, il n'y a aucun souci. C'est pas du, comment dire? C'est pas du trouble à l'ordre public. Également des rassemblements publics, des marches ou des discours publics ou dans des salles privées également. Hein. Il n'y a pas besoin de Zyed. On était parti en février à la conférence de Kémy Séba. C'est un exemple type hein, d'événements à organiser. Donc voilà, c'est ça. Le politique, c'est ça. Quand Pécresse te fait des grands rassemblements, quand Zemmour il te fait des grands rassemblements au Trocadéro, nous, il n'y a aucun problème qu'on fasse la même chose. Moi, je Aucun suis problème. présent. Si vous organisez un rassemblement, une réunion en France, dans laquelle vous invitez pas mal de musulmans pour intervenir, Non. comment faire pour que la communauté musulmane soit elle ait une certaine autodétermination, participe. C'est ce qu'on disait Bah, justement. justement. Ziad. Excuse-moi, Malik. Non, Ouais. non, tout à fait. Bah justement, bah justement, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je vous dis aux gens, hein, préparez-vous, la rentrée va être explosive. Que ce soit pour nos ennemis comme pour nous. Et c'est pour ça que justement, moi, j'aimerais bien lancer, on va dire, aller à j'aimerais bien lancer entre début et mi-août. Mon média, c'est à ce moment-là pour préparer la rentrée et que justement ce type de ce que vient de dire Malik, des rassemblements, etc., pour commencer à s'organiser de manière très sérieuse, eh ben, j'en fasse l'annonce, on en discute. Et puis voilà. Moi, je vous le dis cash, le média que moi je suis en train de faire, ça va pas être, on va dire, pour promotionner des gens qui sont déjà connus. Ça, ce sera dans le cadre des invités. Mais par exemple, des frères comme Mohamed Lamine, comme Abdullah, comme même Abu Mouad. Et par exemple, si un jour vous êtes de passage en France et que vous voulez, je sais pas moi, on se rencontre, j'ai des frères, vous voulez faire un sujet sur le. Vas-y, venez, bismillah. Moi, c'est ça, c'est que je veux révéler les talents intellectuels de la Oumma. C'est ça. Peu importe où ils se trouvent, à partir du moment où je peux les réceptionner, ou même si c'est pas en présentiel, ça peut être en distanciel, là, sur un stream, un truc comme ça. Tu vois, ça peut être comme ça. C'est ça le but. C'est ça le but. Moi, je sais, on m'a proposé un ancien journaliste de RT. J'ai refusé direct. Je dis non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Alors, ça pourrait être pas mal, puisque voilà, c'est médias russes. Ils comprendront là où on va aller dans notre truc qui pourrait nous apporter une plus-value. Mais Ça aurait pu être une bonne ouais, non, moi, frérot, moi, je suis quelqu'un. un Je suis allié underground, stratégique tu vois. temporaire. Ouais, moi je suis quelqu'un, t'as vu, quand je bâtis un truc, faut que ce soit quelque chose de nouveau avec des nouvelles personnes. Et tu vois, comme pour le foot, j'ai toujours été un dénicheur de talent. Tu vois, j'ai toujours trouvé des petites pépites dans le 9-3, dans le 7-8. Je les envoyais faire des tests au Havre, à l'OM, tu vois. Donc voilà. Et Pardon. là, c'est la. C'est toi qui as Ouais. ramené Bouba Soumbounou à 3? Non, à 3, j'ai ramené personne. J'ai ramené que ma personne.
Tu vois? Parce qu'il y a un petit chez moi de Coignières, il y a un petit chez moi de Coignières, il a joué à Troyes pendant quelques temps. Maintenant, il est en Crète ou en à Chypre, je crois. Il s'appelle comment? Bakary Soumbounou. Je vais demander à un frérot à moi qui connaît beaucoup de joueurs de l'Estac, peut-être qu'il le connaît. Mais c'était il y a un moment déjà. C'est l'époque Samassa, non? Ouais. Ouais, bah, il doit le connaître alors. Tu connais le bois de l'État? Bah à fond, Chicago, wesh. donc voilà. On est là-bas toute mon enfance. Ah ouais? Mes belles amis, ils sont là-bas, le bois de l'État. Machallah, qui ça? C'est la famille Sissoko. Ah, ils sont un peu grands pour moi, mais ouais, je vois. Et bah, Tarek, tu voulais dire des choses depuis tout à l'heure. Les frères, je vais devoir vous laisser, je suis claqué, demain j'ai match. Là, j'ai pas envie d'arriver bousillé. Oh, calme. On va bientôt terminer. Malheureusement, le dernier sujet. Repose-toi, Harry, si t'as besoin d'aller te reposer, faut. Ouais, en plus, c'est demain j'ai match. On va le reposer plus tard, ce sera. Ça fait mieux dans un disque rouge, parce que même moi, je commence à être KO. Mais t'arrêtes, tu voulais dire quelque chose. Les frères, je vous laisse. Ouais, en fait. Vas-y, Ziyad. Je vous laisse. Tariq, contacte-moi, frérot, sur Instagram. Je leur envoie un message, tu m'ajoutes et on discute. Attends, je vais t'ajouter tout de suite. Vas-y, il n'y a pas de souci. Mais après, même, moi, je vous encourage tous à installer Telegram, surtout si vous avez l'intention de vous établir en politique. Et donc, étant donné qu'on est particulièrement stigmatisé dans ce pays, il faut prendre soin, parce que de toute façon, déjà, la taqiyya, c'est un principe qu'on se doit d'appliquer. C'est comme ça. On se doit d'être discret. C'est une prescription divine, la discrétion. La khuda, dans le hadith, qui en parle. La khuda, pour être bien précis, khuda, c'est la ruse. Parce que taqiyya, attention, on y reviendra. Mais naam, continue, mon frère. Les frères, je vous laisse. C'est pour ça que je me suis repris en parlant de discrétion. Bonne nuit. Repose-toi bien. Et khair, Inch'Allah, pour le match de demain, Inch'Allah, tu gagnes. T'inquiète pas, frérot. Mais que des lucarnes. Non, frérot, moi, je suis l'attaque droit. Je distribue les ballons pour ceux qui vont mettre des lucarnes. Attends, mais c'est carré. Latéral avant ou arrière? Mais frère, la terre, c'est derrière, tu pars de derrière. Oh, ça se voit, t'es éclaté au foot. Non, mais foot, s'il te plaît. Hey, ça fait des années, mais vas-y. Arrête, je vais m'énerver. Arrête ça, frérot, je vais m'énerver. Commence pas à dire la terre, tu vas devant, derrière, à gauche, à droite. J'aurais pas dit que t'étais défenseur, toi. Ouais, non, mais en fait, à la base, moi, je joue devant, tu vois. Mais moi, je suis un mec que. T'as vu, ça n'existe plus, les buteurs, tu vois, qui restent dans la surface. Moi, je suis un renard, frérot, tu vois. Zaghi. Et ça n'existe plus. C'est-à-dire que je suis trop souvent hors jeu. Je dis, vas-y, mets-moi derrière, frère. C'est bon. Zaghi. Donc voilà. Vas-y, les frères. Bonne soirée à vous. On se tient au courant. Tu dois te prendre des petits ponts, Zaghi, toi. J'ai un fou, toi. Frérot, moi, je suis un spécialiste du passement de jambes. Je vais à droite, tu vas à gauche. Tu vois, tu sais, comme tu donnais, tu vois, je suis là, t'es là, non, t'es là. Juste pour, avant que tu partes, à l'ancienne, quand je jouais au foot, frère, et des fois, on allait jouer contre des équipes, tu vois, des Montrouge, Racing, frère, et tu vois, des Renois. Tu vois, mon frère, lui, c'est l'âge de mon oncle, lui, mon frère. Juste une anecdote, et après j'y vais. On avait joué contre FC Clichois, c'est-à-dire Clichy-sous-Bois, le stade synthétique première génération, qui est dans la cité du Chef. Ah oui, oh, bah oui, c'est chez nous. Attends, les gars, attendez, il y a encore un petit billet. Attendez. Je connais bien. Voilà, attends. Déjà, tu rentres dans le truc, après t'entends, tu te retournes, ils ont fermé la cage. Il n'y a pas de stade, c'est pas une pointure. Si, c'est peut-être qu'aujourd'hui il n'y a plus. C'est un synthétique qui est là-bas, frère. Tu vois? L'espace de bâtiment, tu mets un chassé dans le bâtiment, il tombe. Au Bosquet, il y a un stade. Oui, il est là-bas. Il n'y a pas de stade. Ouais, j'ai déjà joué à Montfermeil, ouais. Il y a un terrain synthétique aussi au Bosquet. Mais, ouais, au Bosquet, il y a un stade, à Clichy, il n'y a pas de stade. Mais
Bah, que si moi parlons Ah ouais. de Tu vois, du chêne pointu et du c'est les bâtiments du chêne pointu, même tu m'as chassé dans le bâtiment tellement c'est moisi, ça tombe, frère. C'est sûr. C'est sûr. Écoute, écoute, on a des matchs. Pendant le match, t'as un mec, je sais pas. Déjà, le mec, il arrive en KTM 500, tu sais, le monstre, là, tu vois, l'espèce de truc qu'il faut. Tu sais, genre, si tu roules pas avec, il faut le pousser, il faut être plusieurs avec, tu vois, ou Je faire un crois c'est un bras. 4, je crois c'est un 4,5. Ouais, peut-être, je sais pas, je connais pas les bécanes, mais je me souviens que c'était un KTM 500, il était orange et noir. Et comment dire, C'est le le mec, 4,5. normal, on est en plein match, le mec, normal, bébé, 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 bébé. Toi, tu lui dis, frérot, on est en match. Quoi? Comment ça? Tu sais, juste, tu lui parles, t'as 150 000 gars qui étaient derrière les buts, ils viennent, ils te poussent. Outre, mine, baffe, outre, il parle, laisse tomber, mon frère. C'est ça qui est Et il y fort. avait un mec, il y avait un mec dans l'équipe, il avait une tête, elle faisait toutes nos têtes. Et soi-disant, attends, c'était, je crois qu'il était guinéen, un truc comme ça. Il avait une C'était tête numéro 10. musclée, hein? Mais de fou, frérot, il avait des muscles dans. On les appelle les multitêtes, ça. Frérot, il avait des muscles dans toutes les parties de sa tête, de son corps, partout. Les Renault, Attends. c'est trop, voilà, les Renault, Hey, frère. Wallah el il avait des rides. Je vous mens pas, les gars. Et il parlait pas un mot français. Il était super fort et soi-disant, il avait 19 ans. Non, mais eux, leur carrière, elle se finit vite. Hein. Parce que dès qu'ils ont 23 ans, en vérité, ils ont 45 ans. Ils sont en fin de carrière. Ça faisait 19 ans qu'il avait 19 ans déjà. Exactement. Et quand il est né, il avait 19 ans aussi. Ah ouais. Les Voilà. Renois, franchement, Non, mais ils ouais, sont bien. c'est des anecdotes. Ça, c'est Voilà des des anecdotes. Camerounais, C'est ça. quoi? Mais je vais te dire. Moi, je joue au Moi, je vais te rugby. dire un Hein. truc. Je joue au rugby. Une fois, on est parti à Bobigny. Voilà. T'as vu le quartier de l'Étoile là? Et à la fin, là, on les a battus. La vie de Maras. Et dans chaque travée, chacun des boulevards, il y avait au moins 2000 personnes. Oh, le bus, on est parti en hold-up. On n'a même pas eu le temps de prendre la douche. On se prenait des parpaings dans le bus, frère. Frérot, moi c'était on avait joué à Aulnay-sous-Bois, donc stade de la Rose des Vents. Aujourd'hui ils ont fermé ce truc là parce qu'il y a trop de traquenards, même les vestiaires ils sont au milieu. Frérot, on est reparti en slip dans le car. On est parti, on s'est changé. Moi j'étais avec mes crampons dans les mains, je me suis promis, ça proche, je mets des coups de crampons, je sais, j'avais rentré mes mains dedans, tu vois. C'est dit le premier, ça. Hey, je te jure, on marchait comme ça, on sécurisait, tu vois. Attends, bouge Aller pas. jouer, aller faire des matchs de foot dans certaines villes du 93, c'était pas rentable avant. Hey, frérot, pavillon sous bois, stade de l'Est. Les mecs, ils nous ont coursés, ils nous ont arrêtés au pont de Bondy, tu vois, et le mec, il a sorti un sabre. Il a dit quoi? Il a dit, sors la vie de ma mère, je vais vous découper. Mon pote, il a mis une première, frérot, il a contourné. Tu sais, où il y a le décathlon au pont de Bondy, là, tu vois. Oh, laisse tomber, frérot. Le mec, il nous a. Et moi, après, je regarde mon pote, je dis, hey, il est venu avec un sabre, mais il est fou, tu vois. Attends, je Ils vous sont annonce un trompés de truc. discipline. Je vous annonce un truc. C'est que dans mon média, il y aura une émission spéciale foot, animée avec un pote à moi ici, tu vois. Et on va raconter des anecdotes. Mais On va parler de foot, attends, machin, nanana. qu'est-ce qu'il y a de plus politique que le foot? Frère, Ben oui. tu regardes juste l'équipe 21, on dirait c'est des débats. Ben ouais. Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est politique. Mais C'est ce frère, qu'on je appelle voulais. le soft power. On Exactement. va clôturer, Inch'Allah, vu que Ça marche. on lui met tout sur la fin. Une micro-intervention encore, les gars, s'il vous Ouais, plaît. alors, Bismillah. juste moi, je termine sur ça. Juste Vas-y. moi, excuse-moi, frère, je termine sur ça. Après, moi, je vais y aller. Subhanakallah, ça va Amin. comme, frère, on se tient au courant, Inch'Allah. Ouais, moi, juste ce que je voulais dire, en fait, sur le sujet, c'est parce que depuis tout à l'heure, on parle pas mal de. En fait, on tourne un peu autour du sujet, à savoir la crédibilité de la communauté. Mais bon, on a abordé le fait que financièrement, déjà, on n'a pas le rayonnement qu'on devrait avoir pour être crédible. Mais il faut, parce que bon, tout à l'heure, le frère disait aussi, comment il s'appelle le frère qui vient de partir? Ziad. Ziad. Ziad, il a dit tout à l'heure, il a dit, bon, faut qu'on s'organise aussi pour protéger la communauté, tout ça, tout ça. Je suis d'accord avec lui, c'est pas le problème. Mais le truc est que faut pas oublier quand même que d'une part, comme on l'a dit, le pays, enfin, on parle pas de la gouvernance des hommes politiques, on parle des lobbyistes qui sont au-dessus des hommes politiques et qui leur donnent leur commandement. Donc eux, ce sont des sionistes, à savoir les ennemis des musulmans. D'accord? Donc si on commence
à faire trop de bruit sans apporter suffisamment de transparence, sans apporter suffisamment d'apaisement dans nos propos, sans dire que comment dire, on essaye de promouvoir la vie finalement d'une communauté et non pas le conflit que eux D'accord. essayent de mettre en place et d'entretenir. C'est constructif, c'est ça, c'est pas destructif. Bah, oui, je pense qu'il faut vraiment insister sur ce point-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays de révolutionnaires, et que il faut faire un petit parallèle vite fait avec l'Allemagne nazie de Hitler. Comment est-ce que Hitler il est arrivé au pouvoir? On a coupé toutes les ressources économiques de l'Allemagne à la Première Guerre mondiale. Donc, quand Hitler il est arrivé dans les années 30, il a dit, ben regardez. Le reste du monde vous affame, ils en ont rien à faire, vous êtes en crise économique, vous n'avez rien à manger, et moi j'ai la solution pour vous. On va taper les sionistes parce que c'est eux qui nous affament. Voilà. Mais si vous voulez, on ne peut obtenir la suivance d'une population dans sa globalité, surtout avec des propos aussi absurdes, que lorsque la population, elle est dans une précarité, comme je le disais. Mais il faut faire gaffe. Actuellement, on y est dans cette précarité. On vient de passer le Covid-19. L'essence à 2 euros. Il y a beaucoup de petits commerçants qui ferment. Il y a beaucoup de gens, même des Noirs et des Arabes, hein, qui vont au Front National parce qu'ils veulent qu'on ferme les frontières parce que pour préserver l'emploi. Les Donc, Antilles, les Antilles, les Antilles, la Guadeloupe, ils ont voté en majorité pour Le Pen, mais c'était dans le but de sanctionner Macron. Ouais, j'entends, Mais j'entends. bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement. L'extrême droite s'est démocratisée. Non, mais et puis tu sais, je vais te dire un truc. Il y a une nana, elle a une chaîne YouTube. Inch'Allah, je te l'enverrai, Malik, que tu puisses la transmettre aux autres. Yes. Et franchement, mashallah, c'est une meuf, elle est un peu plus jeune que nous, je pense. Mais elle a. Une efficacité dans son analyse politique et géopolitique. Elle a une profondeur de ressources en matière d'histoire politique, etc. Franchement, c'est une nana qui a énormément à apprendre à beaucoup de gens. Et elle te dit clairement, Macron, dans la définition du fascisme primaire, Macron est bien plus fasciste que Marine. Eh oui, bien sûr. Et je vous encourage à aller voir la vidéo de la meuf, elle vous Faudrait expliquera ça mieux que que moi. tu m'enverras aussi, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, Inch'Allah, ben on se prendra en contact aussi. Et frère, tu t'appelles comment, excuse-moi? Mohamed Lamine. Mohamed Lamine, mashallah. Inch'Allah. Voilà, très intéressant. Bah, Et dis-toi. Bismillah, Ouais. Malik. Naam, Afouane, Mohamed, tu voulais dire quoi, Mohamed? Non, bismillah. J'allais dire justement, c'est ça, le fascisme hein, dans l'histoire, c'est le totalitarisme. C'est un État fort qui prend des décisions et qui lésigne pas sur les moyens et qui n'est pas dans le doute. Il s'impose et il est ferme. Macron, on l'a vu hein, avec les gilets jaunes, il a éborgné des centaines de Français. Il en a, c'est lui qui est aux ordres, donc c'est lui qui est responsable de ça. Il a, à cause de lui, sont morts des dizaines de personnes. À l'extérieur, les opérations Homo qu'il a continuées après Hollande, où tu des assassinats ciblés contre des personnes qui dérangent les intérêts français. Et tout ça, c'est des choses justement, beaucoup de gens ont peur d'en parler, mais non, c'est public, c'est connu. Tout dépend de ce que toi tu vas faire ou dire. On n'est pas là, comme t'as dit Tariq, c'est très bien d'avoir précisé ça, Tariq. C'est que, en tant que tel, celui qui va proposer la destruction comme solution, déjà, il est en train de se détruire lui-même. Parce il va être abandonné par tout le monde et il va être ciblé par les gens au pouvoir. Ça ne sert à rien de faire ça. Il faut proposer la construction, il faut proposer le dialogue. Quand on est dans une situation comme la nôtre, Barakallah, fait qu'on est dans une situation comme la nôtre, la seule chose que l'on peut faire,
c'est le dialogue. Et celui qui est puissant et qui propose le dialogue, il y gagne aussi. Il y gagne aussi, subhanallah. C'est pour ça qu'on a un Macron qui dit « nous ne sommes pas le parti du système ». On a un Macron qui nomme Pape Ndiaye, sans prononcer le N, à la tête du ministère de la Culture. Un ancien, je ne sais plus qui, en tout cas quelqu'un de critique vis-à-vis de la laïcité, au ministère de je ne sais plus quoi, pour vous dire comment il est stratège et comment il sait que ça fonctionne. Au moment où Kémi Séba faisait tomber les gouvernements d'Afrique de l'Ouest, il organisait à Montpellier un sommet africain. Il sait comment ça fonctionne. Donc, à nous d'être stratèges, à nous d'être intelligents et irréprochables. On doit être irréprochables. Là, on a cité une chose qui est forte. Mohamed Amin et moi, on vient du 93. On a une énergie là-bas. Mon père aussi. T'as dit quoi, mon frère ? Mon père aussi vient du 93. Allah, ouais. Que des personnes qui ont une énergie forte et qui, pour ceux qui ont choisi la voie du constructif et la voie du développement, une énergie qui est utile, une énergie qui n'est pas gaspillée, une énergie qui est... Et mashallah, dans les quartiers populaires et dans les départements qui sont de la couronne et de la grande couronne, alhamdoulilah, on a des énergies, on a de l'énergie, on a des personnes, subhanallah al-azim, on soupçonne même pas. Des gens, même des fois, qui sont des millionnaires, mais ils sont tellement humbles, ils restent avec leur famille, ils mettent bien leur famille au pays, et ils nourrissent des pauvres partout sans en parler. Ils font la sadaqa qui est marfiya, celle qui n'est pas exposée. Donc, subhanallah al-azim, voilà. Et ce qu'il faut faire, justement, c'est de revenir à ça, à ce mode constructif et non pas destructif, destructeur, et être capable de s'en sortir, être capable de sortir des carcans, des modèles qu'on des patrons, comme en géométrie, les patrons qu'on nous dessine pour dans lesquels on doit rentrer, et ne déranger personne in fine. Voilà. Ce qu'on doit faire, nous, justement, c'est être constructif et être dans le dialogue avec toutes les parties. Toutes les parties, comme au tribunal, on parle avec tout le monde, il n'y a aucun problème. On discute avec tout le monde. Moi, ce que j'ai déjà dit, j'ai déjà exprimé la chose comme ça, être capable, l'objectivité, qu'est-ce que c'est ? C'est, on peut pas dire je suis quelqu'un, je suis objectif. Non, parce qu'on a tous notre propre avis. Mais l'objectivité, c'est la somme de toutes les subjectivités, de tous les avis différents. Et un exemple concret que je donne toujours, c'est un peu fort, c'est assister à un débat entre un sioniste et un nazi sans jamais pencher ni d'un côté ni de l'autre à aucun moment du débat. Ça, celui qui arrive à faire ça… c'est un tour de force. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut se donner des défis. Il faut se donner des défis. Comment ça, le nazisme, justement, ils ont relevé l'Allemagne avec cette politique-là. Oh, certains seraient tentés de dire « Oh, c'est trop bien ». Tends l'oreille. Regarde, lis et vois ce qui a été mauvais. J'étais visionnaire. Hein. Ils ont vu que les sionistes, ils allaient boucler la terre et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ça. Et justement, eux, la voie qu'ils ont empruntée, ça a été une voie de destruction in fine, celle des… Malheureusement. Exactement. Même s'il faut noter aussi que historiquement, ils se sont retrouvés pour beaucoup coincés. C'est-à-dire qu'il y avait des contradictions au sein du mouvement national-socialiste. Certains ne voulaient pas de solution finale. Ils se sont fait assassiner. Ils ont été éliminés parce qu'ils refusaient ça. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. De toute façon… Moi, je peux t'en parler savamment, frère, parce que mon grand-père a été jugé criminel de guerre. Il était gradé à la Gestapo, et c'est lui qui a frété les trains, qui a emmené les Juifs en camp de concentration. Je suis franco-allemand. Ouais. Mon père est français, et ma mère est allemande. Et le livret de famille de mon grand-père a été brûlé. C'est la guerre.
Il y a tu plein, sais, il y a... je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue avec. On celle-là parce qu'après, mais Inch'Allah, on aura d'autres occasions de faire des lives. Ouais. Mais vite fait, hein. Il était venu, les mains dans les poches, et vas-y, il nous avait pas prévenu. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends un billet, je vais faire des courses, je lui prends tout. Sap, sous-vêtements, nécessaires de toilette, tout. Après, j'étais content, je vais le voir à son hôtel, tout. Je lui dépose son sac et tout. Puis je lui dis, ah papy, je suis content, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'était la première fois de ma vie que je me posais avec une Renoir, je voulais me marier avec elle et tout, une Sénégalaise. Mais attention, bleu comme la nuit, frérot. Hein. Chia! J'ai montré ça à mon grand-père. Là. Mais il m'a fait un AVC en direct, on allait se battre, frère. C'est ça les côtés, c'est ça justement les côtés négatifs de la guerre. C'est que ça y est, c'est fini, il n'y a plus de. Et nous, on ne doit pas tomber dans ça, justement. Et de l'autre côté, dans notre critique du sionisme aussi, je finis sur ça, Mohamed, c'est la même chose. Il ne faut pas être dans l'essentialisme du juif en tant que tel. Non, c'est le judaïsme politique, c'est le sionisme, c'est ça le problème. Et derrière, il y a des bons partout. Il y a des. Mais il y a des très bons croyants. Il y a aussi. Et ceux qui. Il y a beaucoup de juifs qui sont contre la politique d'agression israélienne. Il y a beaucoup de. Ouais. Les orthodoxes. Vous connaissez le professeur d'histoire de l'université de Tel Aviv, Shlomo Sand. Shlomo Sand, il a écrit quoi? Comment est-ce que j'ai renié mon judaïsme? Bien sûr. Il y a plein de manuscrits hein, de lui. Hein. Il a beaucoup écrit. Hein. Il a au moins une dizaine de livres à son actif. Les juifs orthodoxes qui sont contre leur gouvernement sioniste, eux, ils finissent, et ils sont peut-être plus maltraités que des Palestiniens. C'est ouais. Ça. Mmh. C'est ça. Les frères et sœurs, donc, Mashallah, live très intéressant. On n'a pas eu assez de temps pour évoquer le dernier sujet qui était la féminisation du discours politique. Je pense si demain il y a du temps, on essaiera de le faire demain, Inch'Allah. On va consacrer au moins une heure et demie sur ça, Inch'Allah. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ce qui signifie nulle nation ne se pérennisera avec une femme à sa tête. Ça c'est vraiment, on en parlera demain, Inch'Allah. Je vous donne rendez-vous demain, on va essayer de venir plus tôt, Inch'Allah, parce qu'en fait il y a un décalage horaire entre la France et le Maroc. C'est pour ça que je suis obligé de faire quand vous en France il est 23h, nous ici il est 22h, c'est-à-dire que je fais ça avec l'Isha et après je. Mais demain, je vais essayer entre le Maghreb et l'Isha, prendre une heure et demie. Comme ça, ce sera plus tôt. Et on va essayer de faire ce live-là sur la féminisation du discours religieux, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Donc, les frères et sœurs, à demain. Et les frères, barakallahoukoum pour vos interventions très intéressantes. Et on se dit à demain, Inch'Allah, si vous êtes opérationnel. Ejmerim, frérot, mais je sais pas si vous êtes au courant, les frères, que maintenant il y a même des. Enfin, ça se démocratise de plus en plus. Hein. Il y a des femmes qui sont en train de devenir imams. Ouais. Ça peut être il y a quelques années, malheureusement. Tout ça, il faut qu'on en parle demain. Allez, on a rendez-vous demain et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.